Putain, je Alors, me on rappelle était. plus. On avait sauté dans le trou. Oui, on affrontait Ah deux oui! glaives Et oui, on Ah oui, était. j'étais pas Ah là moi. oui, on était en plein combat Ah avec la oui, donc bestiole il faut de la mort résumer qui pour. tue. Mais peut-être pas venir tout de suite alors, C'est du ça! coup. C'est ça, C'est bon! C'est bon, on Ah a oui! déjà Viens tué pas, un, tout tu va nous viens bien. que. The Catacomb of Wrath, ça Et c'était s'appelle. à ce moment-là qu'on s'était dit, bordel, il nous manque un magot. C'est pas Ouais, ça? c'est ça. ça. Il est où? C'est bizarre, ça se passe pas comme d'habitude. En se retournant derrière, effectivement, vous avez remarqué qu'il y avait quelqu'un qui est absent. Oui, je me Ah, et puis on souviens. avait trouvé un papier, non, sur une montagne gelée, 20. Ouais, non, on avait surtout. Attends, savoir Non, on royal n'avait est pas. un portail béant, tourner deux fois les clés dans le cidron. La forge runique dissimulée attend depuis des éons. Non, Alors, c'était ça, quoi ça? c'est un vieux papier, ça. Tu peux voir la couche de poussière dessus. C'est le truc qu'on avait trouvé dans la bibliothèque, non? Non. Non, Avant, je sais plus. Parce qu'on avait appris, moi le dernier truc, je me souviens, moi, mais comme c'était une séance encore avant, Ah, on oui. avait appris que c'était. Le septembre, Ouais. Ah merde, On j'ai était revenu un trou à de Pointe au barré Sable, là. je crois. Et ça va être assez chiant, ça. On avait commencé à faire les téléportations pour tout le monde, là, pour faire les courses à Magnimar. Et c'est tout, quoi. Moi, je vais arrêter là. Ouais, je vais Bah, faire on la est revenu queue. Magnimar, tu nous as fait un portail pour venir. Voilà. Voilà, et c'est après que je ne sais pas Et comment vous avez fini après pour t'as rencontrer des disparu, glabrezou. on nous a demandé de descendre dans le trou parce qu'il y a des gens qui sont allés et ils sont jamais revenus et qu'il y a des bruits de chiens toutes les nuits à minuit. C'est ça. Et On a rencontré, donc en avançant, on est tombé. C'était d'abord une espèce de... Ah oui, c'était le fantôme du super magot là qu'on avait vu dans les précédentes aventures là au tout début. Oui, t'aurais été content d'être là, parce que ça a un rapport avec comment Tassilon. le Oui, tout à fait. Tassillonien. Ouais. Ah, Le Tassilon. je me souviens plus comment il s'appelle là, Le le. Gribouillard. C'était lui? Ouais, D'accord. oui. Il vous a dit qu'ils appelaient en fait Xalaxia. Et que c'était Oui. un comment dire un séide d'Alazniste au départ, il travaillait avec elle. Il était Ça. je sais plus quoi, enfin faudrait que je reprenne les notes. Mais il commandait un bataillon des enfers en fait. Et du coup il a trahi Alazniste et il a travaillé pour Karzoug. Zug. Voilà, et il nous demandait comment c'était aujourd'hui. Voilà, apparemment il vient de se réveiller par la machetu. La machetu l'a apparemment l'a réveillé. Il a 10 000 ans d'existence, en tout cas c'est ce Voilà. qu'il nous a dit. Et donc il a posé des questions sur comment s'appelait maintenant le Tassilon, etc. Qui était son dirigeant, etc., etc. Et en échange d'informations qu'ils leur ont données, lui en a donné quelques-unes. Ça. Et ensuite, on est tombé nez à nez avec un espèce de géant un peu violent qu'on a commencé à meuler parce que j'ai utilisé un Un sort. géant. Un géant, c'est pas un géant, c'est un démon déjà. Ah oui, voilà, un démon qui s'est dédoublé. J'ai Un glabrezou. il y avait Là dans les images, le glabrezou, si tu le cherches J'arrive glabrezou. à me connecter à aucune IP, il y a eu un Ouais, changement et c'est pas c'est quoi noté. l'IP? 90, 12, Il 17, l'a mis dans 139. PS. Ah oui, je l'ai pas ça là. Je vais en mettre pour Louis, je pense. Oui, PS. j'ai Ah oui, pas. d'accord, j'avais pas vu J'étais pas l'onglet. go. Je regardais En moi. fait, oui, voilà, Mirobolan était en mauvaise posture et j'avais posé un truc qui était assez sympa dans mes fleurs. Ouais, c'est ça. Mirobolan, il était entre les deux glabrezous, il s'est jamais fait toucher, je sais pas où on l'avait. Ouais, bah, Ouais. couillu, couillu. Il y en a un qui s'est Pas fait si des. vous voyez les liens là. Il y en a Si, un oui, qui je s'est fait vois. des. Oui, on voit. Il y en a un qui s'est fait défoncer et un autre qui restait et qui Donc, risquait d'être un petit petit peu agressif. récapitulatif. Il y a eu un tremblement de terre en fait qui a secoué tout Point de Sable. Et il y a eu un espèce de grand trou qui a été ouvert au milieu de d'une rue. Alors, je dois avoir. Voilà, je remets quand même Point de Sable pour montrer à Franck où se situe le trou en fait. Donc si tu vois sur la carte, tu peux remarquer qu'il y a un espèce de Ouais. trou à côté de la garnison. Il y a une partie de la garnison, la tour nord, qui s'est effondrée. Et depuis, en fait, depuis qu'il y a eu ce trou, ben, le prévôt a envoyé quelques hommes
quelques gardes et ils sont aperçus en fait que effectivement il y avait des espèces de hurlements de chiens chaque nuit. Donc le prévôt a envoyé une garde de 4-5 hommes, sauf qu'ils sont jamais revenus. Du coup, lorsque vous êtes arrivé à Pointe-Sable, après être revenu de Magnimar, en fait, bon, bah, toi, tu as disparu dans les courants spatio-temporels, on va dire. Et tu, en fait, ils sont aperçus que y avait un espèce de trou. Donc, ils ont demandé, en fait, aux héros de Pointe-Sable d'aller voir ce qui se passait et puis surtout de retrouver la fameuse expédition de garde qui est partie sans jamais être revenue. Du coup, effectivement, certains ont demandé réparation de leur baraque qui s'était effondrée parce que à cause du tremblement de terre, il y a eu, malgré le fait que tous les géants en fait ont réussi à remonter toutes les baraques, à reconstruire, etc. Il y a eu quand même d'autres dégâts avec le tremblement de terre, dont la maison des sauveurs, enfin des héros de Pointe-Sable. Et du coup, on leur a promis de reconstruire encore une fois leur maison. Enfin, encore une fois, non. Reconstruire leur maison, leur manoir, et en échange de, je sais plus, 5000 PO, je crois, un truc comme ça. Hein. Ouais, il y a 5000 pièces d'or, 15, plus la réponse. Non, 5000 pièces d'or et la réparation du manoir. Donc, ils sont partis dans ces catacombes et ils sont aperçus qu'en fait, voir les épisodes précédents, c'est-à-dire le premier scénario, où ils ont, dans le premier scénario, en fait, il y avait une découverte du, je sais pas si tu l'avais fait, Franck, il y avait une découverte des catacombes de la colère, en fait, en dessous la verrée Pointe-Sable. Je sais pas si tu te souviens de ça. Voilà, et donc, il y avait un Barguest en bas. Ouais. Bien mis la misère normalement. Ah non, c'était pas le Barguest. Le Barguest, il était au Pic Chardon. Il y avait. Pour nous en tout cas. Je sais pas ce que t'as fait ton meneur de jeu. Mais il y avait un Quasit. Il y avait un Quasit en fait, une petite créature ailée qui était. C'était vraiment... quasiment la même chose. Et c'était pas facile à toucher. En fait, il y avait un puits de colère qui a été détruit et chaque goutte de sang tombée dans le puits faisait apparaître un écorché en fait. Et du coup, il y avait certaines sections des catacombes en fait qui n'étaient plus accessibles parce que ça datait de plus de 10 000 ans. Donc certains escaliers étaient complètement effondrés. Et en fait, ils sont aperçus que ça. Avec le tremblement de terre, ça a dévoilé en fait un escalier qui a été en fait apparemment enlevé les pierres en fait pour pouvoir accéder au sous-sol. Et donc au sous-sol, eh bien ils ont rencontré alors il y avait un passage, hein, un passage secret pour accéder au sanctuaire et au sanctuaire au fameux sanctuaire de la Machtu, hein, parce que vous pouvez voir sur le sol a été dessiné en fait le symbole de la Machtu. Et donc sur une grosse partie en fait de tous les des murs, des plafonds, etc. Il y a des écritures en fait en tassilonien, écritures partout en fait. Et là ils ont entendu une voix en fait qui leur qui leur ont posé la question, qui êtes-vous, etc. Qu'est-ce que vous faites ici, etc. Donc ils ont appris que cette personne qu'ils n'ont pas vue encore, mais qui discutait avec eux, a un surnom qui s'appelle le Gribouilleur, mais il s'appelle en fait Xalaxia. Gribouilleur, voilà, c'est ça. Voilà, bravo pour les notes. Et du coup, en fait, pour prouver un petit peu leur loyauté, enfin pas leur loyauté, mais leur, pour voir s'ils seraient capables de battre Karzoug, un portail est apparu et un Glaberzu est apparu du portail. Et le Glaberzu avait 20% de chance de faire appel à un autre Glaberzu, chose qu'il a réussi à faire. Et du coup, ils sont en train de combattre deux Glaberzu. Là, le premier est tombé, le second est pas loin d'être tombé. Donc voilà un petit peu. T'as oublié un événement entre l'apparition du deuxième Glaberzu et puis la suite. Et du coup, le MJ était tout fou. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça se voit sur la vidéo, hein, j'en peux plus. Hein, je cours dans la pièce. Lui aussi, il était au mur. Et oui, le fameux doigt du MJ du Glaberzu, oui. Comment on peut s'apercevoir sur l'image.
Donc, tu as vu l'image du Glaberzu, Franck, c'est bon? L'icône? Ouais. Ok. Et regarde ce que ça donne l'icône, la tache blanche. On était mort derrière. Alors. Un petit morceau en blanc sur ouais, le token. Ouais, que j'ai pas en fait. J'ai pas enlevé. Il ressemble curieusement à un doigt. Oui. Donc, le tour d'avant, le Glaberzu avait lancé une confusion sur Vilmar. Et on reprend avec Vilmar qui est confus. Alors, la confusion, c'est un détail. Pourcentage. Alors, attends, j'essaye de me rappeler. 3. Pas bon, ça faut faire beaucoup, non? Oui, 3, c'est... Vous agis... Non, 3, c'est... Tu agis normalement. Entre 0, 1 et 25, tu agis normalement. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Que fais-tu, donc, Vilmar? Tu reprends tes esprits, tu fais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je confonds avec Borg, là, excusez-moi. Ou avec le nouveau, là, comment il s'appelle? Je ne joue pas que des barbares. Je frappe l'ennemi qui est en face de moi. Je sais plus si j'avais défié lui. Oui, je l'avais défié, j'ai 2 défis de partie. Donc. Attaque en puissance. Hein. Ah, on avait rapidité. T'avais fait ton sort super là aussi Il y avait à la fois la panoplie magique, la rapidité et le comment ça s'appelle je crois qu'il a lancé son... Et la totale. Sa bénédiction, je sais pas de quoi. Panoplie... Ah oui, la bénédiction... Puisque vous utilisez la rapidité pour l'attaque, pour je sais plus quoi là. Par contre, je sais plus... La pièce d'armure, elle est bonus au toucher, non? Ou je sais pas. Non, c'est l'inverse. Vous utilisez la bénédiction pour les bonus touchés, ouais. Ah oui, donc j'ai un plus de... Alors attends... Que je retrouve le nom... Oui, bénédiction de ferveur, c'est ça. Voilà... Bénédiction de ferveur, c'est ça. Et donc j'ai un plus de... je pense qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Hein. T'as le lien sous le coude, Vincent ou Oui, je te le balance. C'était utile pour qu'on choisisse. Oh la vache! Ouais, la rapidité que tu peux effectivement envoyer ton épée, malgré ça, tu vois qu'il y en a qu'une qui parvient à toucher le Glaberzu. Monsieur, va faire quand même mal. L'ennemi. Eh bien, ça suffit pour le faire tomber. Donc le Glaberzu tombe et disparaît. Parfait. C'est le patron, hein? C'est Vilmar. C'est le lapin. C'est le lapin. Dans les cassos, hein. Tu t'es coincé. Alors vous voyez bizarrement que le portail est toujours actif au milieu, hein. Vous voyez, j'avais mis une belle... Oui, on va le magnifique effet spécial. Ouais, magnifique effet spécial. Et au moment en fait... Alors le bruitage est un peu moins bien, mais... dans les nanars. C'est ça. Fait, vous voyez sortir du portail autre chose. Mon dieu. Un autre Glaberzu. Quoi? Asphalt 4. Quoi? Un Glaberzu qui invoque un autre Glaberzu. C'est ça. Et donc vous voyez sortir du portail Oswald. Ah bah voilà. Il sort du portail. Oh, un nouvel ennemi. Pourfendons-le. Mon dieu, il s'est déguisé en Oswald. Ah, tu l'as. On est toujours au plafond, Stéphane, du coup. Ah oui, bonne question. Du coup, la gravité se rétablit vu que le Glaberzu est mort. Et du coup, tout le monde qui était en hauteur tombe. Bah moi, mes deux persos étaient en hauteur. Vilmar aussi, il me semble. Non, pas toi, Louis, non. C'était toi. Oui, mais juste Falgorn. Ouais. Bah, il me semble. Et l'autre qui a pas d'araignée là. Bah, pas d'araignée, ça va. Il peut. Et les douanes. La version de la. C'est, ça marchait sur une zone, sur une personne, c'était comment? De quoi? Non, c'était toute la pièce, il me semble. Ah non, c'est toute la pièce. Hein, ouais. Donc, de toute façon, ouais, quand il m'avait redéposé Falgor, c'était il m'avait redéposé au plafond.
Et donc du coup tous les gens qui étaient en hauteur tombent. Alors on est à une plafond. Mais ça va, il y a 4 mètres. Je sais ça, ouais, donc ça fait 1 des 6. Non, je sais plus. Non, mais je crois que c'est ça. C'est vachement haut, hein. Non. Attends, paf, c'est pas ça. On avait pris des sacrés. Non, on avait pas pris des gros dégâts. De hauteur, mais je crois qu'on s'était pris qu'un des 6, hein, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est un des 6, un des 6. Alors, ben ça fait. Bah, 6. Prenez 6 points de dégâts en retombant. On les rajoute en létal, en non létal. En non létal, ouais, en non létal. Pour ceux qui tombent, bien sûr. Pour ceux qui tombent, bien sûr. Alors, je m'enlève mon bonus de classe d'armure. Hein, hop. Et je me prends 6 points en non létal. De toute façon, en non létal, il suffit de se reposer pour. Ouais, mais de toute façon, vous allez vous regrouper autour de moi. Je vais faire une canalisation d'énergie. Venez, mes ouailles, près du Seigneur. Alors que vous êtes en train de vous soigner et puis aussi de discuter avec Oswald qui vient d'arriver. Pour raconter les dernières nouvelles. Pour raconter un petit peu les dernières nouvelles, vous entendez la voix du gribouilleur. Bien. Je pense que vous êtes prêt pour la prochaine étape. Attends. Ça déjà c'était le premier jet, je vais en coller un deuxième parce que... Il y en a qui ont plus travaillé que d'autres. Ont du mal. Hein. Hop là. Oui, je vois. Soignez-vous, il vaut mieux. Oh putain. Je vais passer au mode individuel. Fonction lombaire. Hein, J'ai un peu mal à la colonne là. Tu pourrais me masser. Attends, je regarde combien il manque de... Ouais, attends, on va te la remettre la colonne. Putain, il t'en faut beaucoup, toi. Alors, une guérison... J'ai pris 2-3 baffes. Hein. Je te fais un petit soin intensif. Allez, je vais te faire un petit soin intensif. Ah bah ça va mieux. Combien il te manque, c'est bon? Ouais, ça va aller. Sinon, ah oui, il te manque que 6 points, ça va aller. Ouais, il est fragile. Ouais, 6 points, il dort, puis c'est bon. Ok, bon bah, on est fin prêt. Tu peux nous envoyer les saloperies. Alors, je fais quand même une petite description de la pièce précédente pour notre ami Oswald. Donc, les murs, les sols et même le plafond, tout est recouvert en fait d'écritures, de spirales et de textes calligraphiés dans l'ancienne langue du Tassilon. Certaines phrases sont immenses, avec des mots de près d'un mètre de haut, tandis que d'autres sont tracées d'une minuscule écriture en pattes de mouche. Le support en fait d'écriture varie aussi, parfois il s'agit d'une encre sombre, parfois de sang, et à certains endroits les mots sont gravés dans la pierre. Les passages... Je repartage l'écrit du gribouilleur. Ah oui. Oui, en fait dans les gribouillages en Tassilon en fait, il y a effectivement des choses un peu plus, comment dire, lisibles. Et donc, Fafner avait trouvé... Fafner. Yavin avait trouvé donc une phrase qui dit ceci. Sur une montagne gelée, Xin attend. Savoir royal est un portail béant. Tournez deux fois les clés dans la Siedron. La forge runique dissimulée attend depuis des éons. Et un œil pour voir si je arrive à lire autre chose intéressant. Non, le reste c'est vraiment du gribouillage. Ouais. Y a vraiment que cette phrase là que toi aussi tu repères qui a un sens quelconque. Ouais, c'est les divagations d'un. Ouais, y a des mots qui partent dans tous les sens et qui contextuellement veulent rien dire. Mort aux vaches, des trucs comme ça quoi. Des trucs qui veulent rien, absolument rien dire. Donc vous voyez que dans cette grande salle où est dessiné le symbole de la Majtu, vous voyez quand même que la portion de cette grande cathédrale en fait hein, semble, ça est vraiment un peu écroulée. Hein, vous voyez, il y a des gravats sur le sol, il y a des crevasses dans les murs. Mais bon, il y a au centre de la pièce, il y a quatre gros piliers en fait. Hein, soutiennent une arche au plafond
Entre les colonnes, ben vous voyez qu'effectivement une représentation du chacal à trois yeux qui semble luire dans les stries de la pierre. Ce symbole émet en fait une douce lumière d'une teinte de rouille qui illumine un peu toute la pièce en dessous. Les alcôves au nord et au sud de la pièce abritent des statues de femmes enceintes à tête de chacal. Chacune tient une paire de cucris croisés sur sa poitrine et des queues reptiliennes s'enroulant autour de leurs pics griffus. Tout au bout de cette pièce, ce qui a dû jadis être un pupitre de pierre orné de statues et partiellement enseveli sous les décombres. Et comme vous pouvez vous apercevoir dans la première pièce, bis repetitas dans la deuxième, il y a aussi des centaines d'inscriptions et de runes tentaculaires ici dessinées. Vous remarquez qu'il y a un passage. Je vais sortir mon doigt. Ça fait toujours rire. Ici, il y a une sorte de passage. Et il y avait aussi dans la pièce précédente. Qu'est-ce que t'appelles une sorte de passage? Bah, un passage en fait. Ah, d'accord. Toujours la question avec con. Et t'as bien fait de le dire parce que. Oui, je vous ai dit qu'il y avait une pièce ici. Hein. Enfin, une porte, pardon. Une porte en fer. Et au fond de la pièce où on est, il n'y a rien de particulier, il y a une espèce d'hôtel ou je sais pas quoi. Ici oui, c'est un hôtel mais il est partiellement enseveli sous les décombres en fait. Ça devait être un pupitre de pierre ornée de statues mais bon. Attends, je vais découvrir un peu plus parce que ah, super, j'ai bougé. Que tu nettoies un peu les effets sur nous parce que on a 50. Merde. Ah, t'as montré une pièce qu'il fallait pas. Voilà. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Alors les effets, oui, les effets. Je peux vous enlever rapidité, je pense. Alors rapidité. M'enlever résistance. La confusion, je peux te l'enlever. Résistance, je te l'enlève. Il te reste lumière, panoplie magique et power attack. Power attack, la lumière, tu verras, hein, Antoine. Hein, tu. Ouais, c'est pas ça. Tu la géreras. Patte d'araignée, je te l'enlève, Vincent. Oui, ça bah... dure autant que là. Ah, dure... oui. Ben. Je sais pas. Non, c'est. Attends, ça dure, mais. Attends, ça dure, pas d'araignée. Parce que là, j'ai 1095 rounds, quoi, donc. Oui. Bah oui, c'est tout. Pas d'araignée. Mot de pouvoir étourdissant, je pense que je peux l'enlever, Vincent. 10 minutes par niveau. Oui, d'accord. Oui, tu peux le. 10 minutes okay. Par niveau, donc. Voilà quoi. 120 minutes. Voilà la carte. 2 heures. 2 heures. Il y a un endroit, c'est un mur décoré ou c'est un endroit que vous n'avez pas exploré, c'est une porte à la salle d'avant. Oh, oui, il y a une porte et on a une pas porte. Ouais. Alors, y a, mais il y a un petit passage aussi. Il y a un petit passage aussi. Ouais, vous l'avez pas fait celui-là, ouais, face, ici, ouais. Là. Ouais. Je continue d'enlever les effets. Ah, ça a mis du temps. Ouais. Il y a du temps que le doigt se déplace. Ah bah c'est bon, j'ai enlevé à la rapidité à Falgor. Il reste la rapidité sur Yavin. Mais qu'il utilise généralement assez peu donc bon, pas gênant. Ah ça te fait quand même. Ouais, surtout pour le déplacement. Ok, et eh bien allons-y, c'est parti. Quelle direction prenez-vous? Déjà, après la voix là, du gribouilleur, après nous avoir dit vous êtes prêts pour la prochaine épreuve, il s'est tué. Oui, il s'est tué, oui. Il s'est tué. D'accord. Eh ben, je sais pas, on peut suivre Finn. Il cherche la sortie. Eh ben, allons-y. Ça, faut se méfier, j'ai l'impression qu'on est un peu manipulé quelque part. Non, oh, pas du tout. Un petit peu. Quand tu pénètres dans ce passage, Finn,
la première chose qui te saute à la gueule. À la gueule. Bah, c'est devant le passage, hein, on est bien d'accord. Oui, mais avec la lumière, tu arrives à voir ce qu'il y a. Ah. Tu vois beaucoup de sang en fait. Ce qui te saute au visage, c'est effectivement du sang. Tu vois du sang partout. Voilà le décor de cette espèce de caverne. Des grandes traînées qui strient les murs et par terre. Des flaques coagulées qui commencent à se putréfier. Des morceaux de chair sont éparpillés, ça et là. Quoi qu'il soit arrivé ici, ça s'est très très mal terminé pour un grand nombre d'individus. C'est récent ? Oui. Je crois que nous avons trouvé le sang des gardes qui est envoyé ici. Hein ? Oui, et puis la chair aussi. Il marque, il n'a pas oublié d'être bête. Et on... Bon, bah veux-tu passer devant moi ? Je n'ai pas oublié. Pas de problème. Je suis payé pour ça. Pas assez cher. Oh. Bah, je suis bien d'accord. Que j'avance. Merde. Et je me retourne. Et tu constates que tu es seul. Effectivement. Bon, je te colle au cul pour pouvoir te soigner avant que tu poules. C'est Ça s'arrange pas. Hein. On devrait pas faire de pause hein, finalement. Tu crois que ça irait mieux pour Gaël ? Oh non, je vois ça. Donc tu avances. Et plus tu avances dans cette caverne... On est éclairé par quoi, excuse-moi ? Bah mon épée déjà. Et la lumière partout. Et la lumière des Ledwin. Et Oswald peut encore faire de la lumière. Tu remarques quand même que tu peux aisément suivre les traces de sang hein, qui t'emmènent dans ce couloir. Et normal, je suis un pisteur chevronné. Tu vois qu'il y a d'autres bouts de chair humaine un peu partout, collés sur les murs. Comment il sait que c'est de la chair humaine ? Du chair humaine, c'est dégueulasse. Des pieds, des mains ? Voilà. Où il y a que du sang. Il y a des membres. Non, il y a des membres. Alors, vous allez me faire des jets de perception. Ah, mon jet préféré. Pour cacher ? Bah oui. Attends, alors... on y va. Panique pas. Tout le monde a fait les jets là ? Il y a que toi qui peux savoir si c'est tout caché. Oui. Et celui qui a pas lancé les dés. Tout le monde a lancé, ok. Je prends Franck à part, mais bande de nazes, franchement quoi. Tant que toi aussi. Bon. Ça fait longtemps qu'on a pas joué, ça fait... Ouais. Une semaine. Bah oui, c'est mal. Ok, tu entends, Franck, distinctement des espèces de grognements. Des grognements de chien, mais vraiment c'est presque imperceptible. Ça marche ? Allô ? Oui. Ah, ok. Là, je t'avais pas entendu. Moi, je te rebascule. Je te rebascule. User was moved out of channel. Ah oui, d'accord. Que fait Vilmar ? Bah, Vilmar est avant. Vilmar. Il est... Enfin, tu le cries un peu oui. Fort hein, parce que t'es loin. Mais pas trop fort. Vous paraît logique, après ce que vous m'avez raconté, il me semble entendre des bruits d'animaux, de chiens. Voilà. T'es coupé, Franck. Hein. Ah merde. J'ai entendu des bruits d'animaux, de chiens. C'est ça. Mais oui, il y a des bruits. Des
Ouais, j'entends pas moi. Pourtant j'ai une ouïe particulièrement fine. T'as pas un gros cerveau. Tu dois être omnibulé par les traces de sang. Donc tu penses que ça vient de devant? Ouais, des joueurs là, ouais. Devant, j'en sais rien, oui je suppose. Bah, je sais pas, ça pourrait venir de derrière, au lieu de rire comme une otarie. Excusez-moi, je me trompe de perso. Bon bah parfait, bah je suis aux aguets, et donc j'avance. Donc tu ne seras pas étonné, effectivement... de prendre 12 clébards dans l'air. De voir courir vers toi, effectivement, quelques créatures... Enfin, courir, c'est pas le terme, en fait. T'as plus l'impression qu'en fait, ces créatures sont en train de voler littéralement, en fait. Ça ressemble à un chien, à un gros chien, en fait. Où est-ce que j'ai... Ah mais pour combattre dans ce couloir ça va être pratique tiens. On va te... Voilà, on va te soutenir. Vas-y, vas-y. Ah, si je reste là, il y a quelqu'un qui peut se mettre à côté. Alors, oh, non. Tu... Pas moi. Alors, ça ressemble en fait à un espèce de... Ça ressemble à un gros chien, ça ressemble à un bar rouge en fait. Sauf que ses yeux rouges sont luminescents. Qu'il a une gueule de croc hérissé. Et qu'il a une queue en fait en forme de une grande queue en fait barbelée avec au bout un espèce de dard. Et vous voyez qu'ils ont des colliers de chiens. Ils ont ou il a? Ils, parce qu'ils sont plusieurs. Et vous voyez qu'il a ou ils ont ils parce qu'ils sont plusieurs. Tu l'entends mon esmu. Ils. Putain, vous m'emmerdez ce soir, hein, putain! Mais on s'est gagné là, c'est... Bon, mais... C'est normal, c'est gagné. Alors, Nous, on est sages. Oui, c'est ça. Je suis sûr que t'as une image à nous montrer. Ah ouais. Ah bah oui, bien sûr que j'ai une image de... Pour l'instant, je crois que c'est ça. Non, ça tu trouveras pas dans le bestiaire. Attends, ouais, mais j'ai pas que le bestiaire comme ressource. De l'appel de Cthulhu. C'est vrai qu'on a rencontré pas mal de bestioles de Cthulhu. Oh là. Oh. Sympa. Très sympa. Voilà à quoi ressemblent ces espèces de gros molosses. Et effectivement, ils ont, comment dire, ils ont dû sentir votre présence. Et donc, ils ont un peu l'initiative sur vous. Et un jour, au point de vue vaccin, Vilmar. Bien sûr. Alors... Bon, on va monter deux petits chiots, enfin, on va pas se laisser intimider quand même. Oh bah non. Alors, il y en a donc. Il y en a donc. Il est où, putain? Il y a donc 47. Il me tire l'initiative direct. Hein. Donc, il y en a un qui, effectivement, lorsque tu le vois arriver, en fait, il a pas l'impression de d'avoir les pattes au sol, mais tu as plus l'impression qu'il vole, en fait. Et il vient directement vers toi, pour essayer de te croquer. Essaye de te mordre. J'essaie de te demander où on peut faire ça. Bon, je vais faire ça déjà. Super, ça commence bien. C'est un... On confirme ici? Ah non, on confirme pas. On confirme pas. Il se prend les pieds dans sa queue. La vache. Fumble. Alors. What the fuck? Ah, il est là, fumble. Qu'est-ce qui se passe pour notre ami Clébar? Donc... Oh, mon ami. Alors, il se casse des dents en fait. Il se casse des dents. Les dents aussi, elles volent. Non, mais.
Non, non, mais il se casse des dents sur ton armure en essayant de te mordre. En fait, ben, il se casse des dents. Donc je suis bien malus de moins 2 au jet d'attaque pendant... putain la vache ah ouais, quand même Un dé de 6 minutes. Un dé de 6 minutes. Donc 2 minutes. Je vais essayer de scripter ça vite fait. Bah, va ronde. Ouais, super. Alors, arme brisée, nanania. Allez, je vais créer vite fait. Marqué dents cassées. Dents cassées. Et pendant, donc 100 minutes. 100 minutes, c'est donc 2 minutes. Voilà, comme ça ce sera fait et ce sera bien plus pratique pour gérer après. Hop. Mais s'ils sont tous cassés. Paf. Et c'est au deuxième chien, mais bon, ils sont assez intelligents, donc ils restent là. Vous allez me tirer l'initiative, s'il vous plaît. Et je vais mettre une petite musique de circonstance. Ça sert à rien d'avoir plus 14, Oswald. Il suffit de faire 19. C'est ça. Bon, Miro, là, il se la pète. Il va, il va encore aller tout seul devant, Miro, comme d'habitude. Et on a tous 22. Oswald est tout petit. Hein. Oui, t'es tout petit. Qu'est-ce qui se passe? Qui joue avec moi? Gaël, je pense. Ouais. par défaut. mais dans le type pas exprès. Bah Oswald, qu'est-ce qui t'arrive? Et Ok. Eh bien, nous... Première ronde. Hop là. Ah, vous voyez qu'il y a d'autres chiens, vous les entendez. Vous les voyez pas, mais vous les entendez. Miro! Grâce à mes droïdes d'elfe. On a perdu Miro, non? Ah, pardon, j'avais le casque coupé. Bon, pas que je rigole bêtement. Je me déplace et je sors mon arbalète de poing. Ah, l'arbalète. Voilà, j'avais coupé le son. Attendez, je suis dans la cuisine, j'arrive. C'est comme ça que tu masterises dans la cuisine? Bah, je t'ai cherché mon briquet parce que j'ai envie de fumer. Alors, c'est à moi. Effectivement, c'est pas moi. C'est... Alors, il est où? Il est où, lui? Ce tatouage, on le voit pas, nous, là. Alors, cette fois-ci, Vilmar. Le chien en face de toi. Tu vois son espèce d'aiguillon qui essaye de tournoyer autour de toi. Et en même temps, il essaye de te mordre. Ah putain, j'ai ça aussi. Alors attendez deux secondes, j'ai un truc à faire. Parce que je l'ai scripté. Non. Putain. Ah, c'est ça. Vous allez tous me faire, s'il vous plaît, dans un premier temps. Vous voyez qu'ils sont en train d'aboyer. Et c'est un aboiement qui fait vraiment frémir. Vous fait frémir de la tête aux pieds. Donc c'est un effet de terreur. Donc ceux qui ont des bonus, vous pouvez... Je fais bonifier d'un bonus de plus 2 mes compagnons contre la terreur, je crois. Ah bon? Oui. Bien. Attends. La question, c'est est-ce que c'est cumulable avec d'autres bonus? Hein? Non, généralement c'est des... Les mêmes bonus? Normalement... Enfin, c'est quoi ton bonus, Louis? Bah tu sais, c'est la dragade. Ah oui, non, ça n'a rien à voir, donc c'est cumulable. Ah cool.
Blablabla, tant que... la bannière... plutôt je sauvegarde contre la peur. Et vous avez, vous avez également un bonus de plus 1 quand vous faites des charges. Ça je vous l'ai déjà dit. Blablabla. Ah ça par contre j'avais pas vu ça. Au niveau 10 et tous les 5 niveaux par la suite, ce bonus augmente 2. Hein. C'est volonté. En fait, c'est 3, on te lance un jet. Vous faites tous un jet de volonté et des 12 s'il vous plaît. Sinon vous êtes paniqué avec en entendant ce... C'est ça. Cet aboiement terrifiant. La ville mars, un bonus de 2 que tu donnes. Tour caché. Mais c'est ton bonus, c'est 2 ou tu parlais de la charge ou. Tu disais plus 1. C'est bonus donc ça marche aussi donc c'est plus 3. Plus 3. Yes. Mais ce soir. Donc, il faut faire plus de 12. Oui. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Ça va passer. Ouais, bravo, Finn. Oh là 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 là. Ah, Miro est dans la ligne de Finn. Oh non, c'est bon. C'est ça. Donc, vous allez donc. Alors, d'abord, Gaël, tu vas me lancer 2d4. Et d4. 2d4. Pourquoi 2? Parce que c'est comme ça. Sinon, si tu gueules, c'est 3. Donc, Miro, il sera paniqué pendant 5 rounds. Et Finn. Ah, faut relancer les dés. Ah, bah oui, c'est pour chaque personne. Finn pendant 7 rounds. Voilà, j'ai encore bien joué, tiens. Attendez 2 secondes, j'ai pas sorti mes petits cahiers. Mes petits cahiers, mais tu joues sur ordinateur. Quand tu masteriseras, professionnel. Tu comprendras. Ben, je me disais, pour les vendredis où Franck est pas là, on pourrait prendre Warhammer. Alors, merci, Noël. Elle a fait paniquer. Paniqued. Donc. Mais les faits tout de suite. Paniqued. Bah, y'a que nous deux, hein, c'est ça? Ouais. C'est quand t'abuses avec ta femme, c'est ce qu'elle te dit. Bah, là, je pars en courant dans ces cas-là. Bah, ça va être ça en fait. Hein. Alors, paniqued. Du coup, j'ai quand même joué avec Miro ou pas? Oui, alors attends, Miro il a 5 rounds, c'est ça? Et Finn il en a 7, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors attends. 7 et 5 pour. T'aurais pas une musique de Benny Hill plutôt pour moi? Il est où Miro? Il est... Je vais te jeter une lenteur pour pas que t'ailles trop loin. Ma Finn. Débuffé complète. Je pense que vous allez me retrouver assez loin. Donc j'en reviens à mon chien qui essaye effectivement de mordre. Et tu vois l'aiguillon qui essaye de te transpercer, Vilmar. Ah putain. Quoi putain? Bon, aucun effet sur toi. Oswald. J'hésite. Ça t'a pas 13, hein. Méfie-toi, Stéphane, quand même. T'as un effet à moins 4 au lieu de moins 2. Hein. T'aurais dû être à moins 2. Comment ça se fait? Bah, je sais pas, l'effet que t'as mis sur le truc, il a mis moins 4 au lieu de mettre moins 2. C'est comme moi la dernière fois, là. Ah ouais, ça me fait. Ouais, ah oui. Moi j'ai un effet défensif plus 2, moi c'est pas contre ça, j'en sais rien du tout. Ah oui, ok, bah c'est normal. T'as pas un petit magique, là c'est plus 2 ouais. Ah oui, c'est ça. Merci. Pourquoi j'ai ça moi, attendez. Qui c'est qui m'a balancé un effet maudit là sur moi là? Pas moi. Toi en faisant un échec acratique. J'ai foutu ça. Ah ouais? Bah écoute, oui. Peut-être pas mal choisi l'effet.
a dit je le script, etc. Puis ensuite il y a ça qui apparaît. Bon, ok. Il a délivrance de la malédiction. Oui. Il a dit moins 4, moins 4, moins 4. Ah bah c'est bien ça. Ah oui, c'est la dent cassée. Ah, c'est Vilmar qui me l'a mis le l'effet maudit. Oh, tu rigoles, j'ai rien fait moi. Ah bon, bah alors attends. C'était balèze. En plus, je maudis les gens, quoi. Je suis fou, quoi. Il faut des malédictions. Moi, j'avais mis dents cassées. Ah oui, d'accord, ok, je vois ce que. C'est juste à côté, un truc comme ça. Ah putain, j'ai mal scripté. Donc, Je te rassure, c'est complètement loupé quand même. T'es raté quand même, ouais. Bah, je suis à 31 de caisse d'armure. Hein. Ouais. Faut qu'il y aille, hein. Là, il faut le salt, hein. Non, moi, j'ai rien fait, moi. Pourquoi t'as retiré les dents cassées? D'accord, c'est à moi d'agir, ça marque c'est toi qui fais l'effet. C'est quoi la carte? J'ai une question, est-ce que j'utilise un sort super puissant, là, niveau 6? C'est quoi la carte? La terreur finale. Non, c'est rien, Louis, c'est rien. C'est bon. C'est pas ATK? Oui, mais c'est bon, j'ai changé. Hein, si je non, balance un sort qui immunise à la terreur, Finaen, est-ce que ça va arrêter la terreur qu'il a? Attends, pardon, excuse-moi. Si j'utilise un sort qui, entre autres, immunise à la terreur, je lance sur Finaen, est-ce que ça va stopper son effet paniqué de terreur? Oui. Bon, bah alors, je fais ça. Je le buff, je peux éviter qu'il se barre dans tous les sens. Tu balances un héroïsme suprême. Oh. Oh non, mais alors là c'est gâché quoi. Pourquoi tu fais pas ça sur Miro, je comprends pas. Donc oui, t'as plus 4 à tous tes tests. Non, Miro il a pas besoin, il est dead. Plus 4 suprême. Ah, ouais, plus 4 attaque, dégâts, jet de compétences, jet de sauvegarde, et t'as immunisé la terreur. Pendant 12 minutes. Heure. 12 minutes quand même, hein. Oh. Pas mal, hein. Et voilà. Ça vit de marre. Ah oui, c'est pas mal, c'est un sort niveau 6 quoi. on va lui taper sur la tête, hein. Allons-y. Bah attaque en puissance, hein. Je sais pas quelques armes il y a. Touk. T'as comment ça marche? Comment on joue encore? Attaque en puissance. Ah, non, c'est le coup. Hein et donc sans défi. Par contre, c'est bizarre la techno, les catacombes. Ouais, mais c'est pas moi qui joue la musique, hein, c'est des trucs de. Bon, c'est pas terrible, par contre, il y a un critique. Ouf, toi qui as choisi la musique. Oui, non, c'est pas moi parce que j'ai récupéré ça sur internet. Donc, c'est des trucs, t'as deux musiques. C'est pas ma faute, j'ai pas écouté pendant 2 heures le truc, quoi. Donc, du coup, on va gérer le critique en premier. Bah, de toute façon, il y a que ça. Donc, vas-y. Pourquoi je suis en effet moins 8 quoi, c'est pas possible. Ah, j'ai pas de power attack, Stéphane là. Attends, je regarde. T'as la power attack en cours, oui. Il y a un D2-1. T'en as deux. Faut directement en retirer un. Moins 8. Ah oui, il y en a deux, oui. On va suivre. Alors, avec 4 points, aussi bien tu. Du coup, avec 23, je touchais ou pas? Oui. Ah donc il y a une deuxième qui touche. Critique et une attaque normale. On va le faire à la main. C'est pas grave. Déjà on va faire la critique, la réussite critique. T'es à la table? Si tu peux me la partager s'il te plaît. Merci. Alors qu'est-ce qui se passe? Tranchant, ébahi. Dégâts doublés. Donc on avait dit on sautait d'un cran, hein, donc dégâts doublés ça fait dégâts triplés. Et malus de moins 2 à la CA de la cible pendant un dé de 4 rounds. Wouhou! Okay. Déjà avec le coup que je lui mette, je pense que ça va lui faire du bien. Je change la plage de critique pour le. Ouais, tu le fais toi-même. Yes. Comme ça, j'ai pas à gérer ça. Parce que... Voilà, et je lui fais les dégâts. Luc. La brouette, mais la brouette quoi. La pauvre bête. La pauvre bête. Voilà, je change de. De quoi, il est pas mort? Non, non. Ouais, impressionnant. Ah, une claque. Wow. Et je lui fais quand même les deuxièmes dégâts. Ouais. Attaque de base.
Ah, ils sont blindés de points de vie. Hein. Oh, disable quoi, j'ai réussi à faire un disable quoi. Ah, t'as réussi à le désengager ouais, du combat. Pile poil le nombre de dégâts quoi. Tu peux me tirer un dé de 4 s'il te plaît. Merci. 1. Voilà, parfait. Donc c'était sur celui-là. Qui a déjà une dent cassée, qui est maintenant ébahi. Et disabled. Ouais, c'est pas passé là. Je pense que lui il nous fera plus trop chier quoi. Parfait, c'est à qui? Eh ben, Finn. À moi. Alors, du coup, est-ce que je peux passer sur sa case ou pas? Sur sa case, la case de qui? Du chien? Du molosse, ouais. Oui, tu peux passer à côté, t'as une. Il est disable de toute façon. Je vais aller là et je déconne mon épée. Ok, au moment où tu viens ici, pour toi et seulement tes yeux, tu vois, je te découvre la pièce, mais pour les autres. Je me sens envahi d'une fureur, je sais pas ce qui me prend là. Ouais, mais tu vas vite comprendre aussi où tu viens de mettre les pieds. Et c'est pas dans ta gueule. Ah ouais. Oh putain. Ouh, ça a piqué. Oh la vache, ça va se ici. Hein. Là, je sifflote. Couchez mes dents. Je fais la caille effrayée pour les avertir. Tu sais, Finan, qu'il va falloir 3 rounds pour te rejoindre. Oui, mais je suis héroïque aujourd'hui. Même dans la mort. Tu sais déjà quel personnage tu veux jouer? Bah oui, Miro. Bah, je t'ai envoyé la photo de mon personnage. Oui, j'ai vu. Non, il va jouer Miro. Non, c'est un personnage un peu plus dénudé que souhaite faire Gaël. À quel jeu? Attends. C'était pour Beast et Bambarion à la base, mais. Qui avait déjà donné un? Alors, tu t'es avancé, Finn, c'est ça? Mais tu peux. Tu fais quelque chose en particulier ou pas? Bah, non, je peux pas. Eh bien, passe ton tour alors, boulet. C'est à Yavin de jouer. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. On n'a pas la rapidité là. Hein. Je dépasse 4 cases. Enfin, après, tu vois. 1, 2, 3. C'est quoi ça? Déguisement. 1, 2, 3. C'est pas le d'intro quand même la photo, rassurez-moi. Non, on s'arrête là, il voit rien, donc c'est bon quoi. Ok, d'accord. Non, pas encore hein, quand même. Le GN, j'ai toujours su que c'était pas une bonne idée. Ah oui. Eh bien, tu as un chien Finn qui vient vers toi. Ah, je sens que ça va pas être le seul. Fais un petit pas de placement et il essaye de te mordre et en même temps de te percer avec son aiguillon. Eh bien, il arrive effectivement à te mordre. Et pas plus 4 en CA. Avec la super-héroïsme. Le super-héroïste, t'as pas le lien c'est quoi Je te le trouve. Je te le trouve. Alors, il se passe quelque chose quand tu... il te choque aux jambes en fait. Et tu vas me faire un jet de... Alors je vais Alors, faire attends, un... attends. On va bien trouver un truc. Comment ça un truc? Oui, t'as pas peur quand il te saisit les jambes. Voilà. Hein, t'as peur de rien. Oui, il est. Oh, j'ai 0 en BMO, c'est quoi ce bordel? Grâce à ça. Non, c'est pas possible que t'aies 0. Plus 4 au jet d'attaque, au jet de sauvegarde et au test de compétences. Attends, t'as aussi un nombre de points de vie temporaire. Et gagne un nombre de points de vie temporaire égal au niveau du lanceur de sort du personnage. 12. C'est où qu'on les met les points de vie temporaires? Temp. 12. Tac. Et il essaye effectivement de te faire tomber au sol en te chopant aux jambes. Je sais pas ce que tu veux exprimer, les douanes, mais c'est court. Eh bien... non. Bah non. Pas
pas réussi à te déstabiliser pour te faire tomber. Et c'est donc à moi. Puisque tu vois un autre chien qui vient voler vers toi. Il vient voler à ton secours. Pas vraiment. Tout ça pour utiliser succession d'enchaînement, je trouve ça petit quand même. Invoque un squelette, ça va les occuper. Tétanos. Alors, du coup... Très bon. Va chercher. Va chercher. Et donc celui-ci essaye non de te mordre, mais essaye de te donner un coup d'aiguillon. Eh bien, il te loupe. Staffelgore de jouer. Yes. D'écrire des conneries. Alors lui, il peut faire 6 cases. Moi, je vois plus le chat après, hein, avec vos 3, conneries. Hein. J'arrive même plus à savoir si j'ai touché ou pas. Hein. Ah, mais très bonne celle de Louis. Oui, j'avoue. Ce n'est pas une volée de bois vert, c'est une volée de bas rouge. Oh là 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 là. Ah non, mais c'est recherché quand même. C'est la classe. Oui. Bah, il va s'arrêter là. Hein. Non, il monte le niveau quand même. Ouais. Ça va être dur de faire mieux. Hein. Je cherche. Non, mais arrêtez, arrêtez là. Donc, c'est à Elédouane de jouer. Vincent, tu es avec nous ? Oui, mais micro fermé. Bah, non, t'entends. Bah, non, t'entends. Ouais, ça fait une heure que je parle en fait. Ah, oh, c'est dommage. Ah bah, ça tombe bien parce que là c'est ton tour. C'est dommage. Ton tour terminé. C'est dommage pour la vidéo. Ouais, bah oui, c'est mal beau. Hein. Bref, bon, allez, je vais tenter le coup. Hein. Donc, je me porte. Combien je me déplace déjà? On a rapidité, tout ça Non, on a rien. Putain, déplace de 4 cases. Ah oui, tiens, oui, j'aurais dû le faire. Tu vois. Bah, oui. Bah voilà, 1, 2, 3. Bah, pas là, je peux même pas. Ouais, je pensais me rapprocher d'un. Non, bah rien, parce que j'ai pas la place pour me déplacer. Je me déplace que de 4 cases et les cases sont occupées. Donc j'attends de voir si. Passe. Suivant. Bien, le suivant, c'est moi. Bah, tu peux te déplacer un peu à la place du barou si tu veux. Il est pas mort, hein, il est juste désengagé. Bah, tu le pousses du pied. Je le pousse, je peux pousser du pied le bar rouge là ? Non. Tu l'achèves en passant ? Ah, tu pourrais le finir ? Ouais, tu pourrais le finir. Bah, non, trop tard. Par contre, il y a un molosse qui vient se placer ici. Donc, il rentre dans ta zone et il en sort. Donc, tu peux faire un jet de commande d'attaque d'opportunité, pardon, Gaël. Sur celui qui vient de se mettre en tenaille avec l'autre. Celui qui vient de se mettre en diagonale là ? Ouais, ouais. Entre moi et. Et comment il s'appelle ? Efalgore, voilà. Alors. Action, réaction, combat. Recombat. Boum ! Ça touche. Tu touches au moment où il passe. Et je te rappelle. Ah que... non, j'ai mon épée maintenant, pardon. Eh oui. Bah, c'était plus 23 au lieu de. C'est un critique surtout. Et j'ai oublié le plus 4, ouais, tiens. Tu critiques à 17. Bah, tu critiques à 15, hein, je te rappelle. Donc. Alors, tu veux que je le rejoue plutôt, Stéphane ? Oui, rejoue-le, mais bon, c'est dommage. Tant pis si je rate. Tant pis si tu rates. Ça m'apprendra. Voilà, c'est le cas. Mais c'est pas un critique, banane. Bah oui, mais plus voilà. 29, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est le plus 4 héroïque là. Et c'est le dégât aussi, ah oui. Ou pas? Oui. Il me semble. Ça doit être écrit d'ailleurs. Attends, jet d'attaque, jet de sauvegarde et. Non, pas au dégât. Hein. Pas dégâts. Ah, alors je l'enlève. Attaque, sauvegarde, compétence. Non, pas dégâts, ouais. Donc, excusez-moi, je fais qu'un petit dégât. Voilà. Oula! T'es habitué bien mieux. Bah oui, mais j'ai rien enclenché là. Donc, Tu sens quand même que quand tu frappes sur le corps de ce molosse, hein, t'as du mal à pénétrer ton bien qu'elle soit magique et tout là. Ouais, malgré qu'elle soit magique et tout. J'ai eu de la résistance, moi. Pas vu. Si, je crois que t'as eu de la résistance.
Donc c'est à moi. Eh bien, le molosse s'est mis derrière et essaye avec son aiguillon de te frapper. Il a un plus 2. C'est du 112 ou... que je vais rajouter. À la main, puisqu'il veut pas le prendre. Voilà, putain. Deux. Et du coup, il frappe. Je les retiens, allez-y. Ouais. C'est héroïque, là, hein, tu c'est héroïque hein. Non, non, je dis. Miro, à toi. Miro, bah il court, hein, mais il court pas vite, alors ça va aller. Ah si, il court vite maintenant. Cette case. Donc triple déplacement, c'est ça? Ouais, triple déplacement. Tu vas faire toutes les attaques d'opportunité. Mais il va encore envoyer Miro Polo au milieu de la mêlée, quoi. Ouais. J'y crois pas, quoi. Le pauvre Miro, mais putain, mais moi je me barrais, quoi. Mais non, il fuit. Ah, pardon. Ah, il fuit. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. 21. Pour une fois, c'est lui qui fuit. Ouais. Voilà. Ça te va, Stéphane? Ouais, c'est parfait. Il va déclencher tous les autres pièges. Il va remonter à plein de sommes. C'est fort. Miro, je pars à sa poursuite. Héroïquement. Alors... en sifflant les chiens. Rattrapez-les-moi. Donc en volant, je fais... Ok, ça. Il y a un chien qui vient se mettre ici. Ouais, ouais. Juste devant Falgor. Et en se déplaçant comme ça, il y a une attaque d'opportunité de la morsure qui est à une allonge. Ouais. Vas-y. Attends, sauf que... Il y a la place, ce con. Voilà. Oh oui, il va le rater, c'est sûr. C'est... Ça va être chaud quand même, là. Je sais pas. Ouais. Ok. Voilà. Bah, pour se déplacer dans un méli-mélo comme ça, là... À toi. Bah oui, je pensais que vous seriez assez rapide pour me retrouver, mais là, non. Ah non, du coup, tu le connais quand même, maintenant. Eh bien, il essaye, avec son aiguillon, de transpercer Falgor. Alors, il a une réduction des dégâts, hein, contre les villes. Non. Non, parce contre que la campagne. Non parce que j'ai quelque chose de surnaturel qui m'empêche d'avoir ce genre de choses. J'ignore les réductions de dégâts. Ah bon? Oui, ça s'appelle, vois, ça. Ça s'appelle la triche du MJ. Non. Ça s'appelle morsure sinistre. C'est une capacité qu'ont ces molosses, en fait. Ils ignorent les réductions de dégâts. Il a réussi à trouver le seul monstre qui... Il a fouillé, hein. C'est le seul monstre de tous les bestiaires qui existent qui fait ça, quoi. Ah, c'est un plus bon pied amélioré. C'est un plus bon pied amélioré. Un manque de chance. Donc, avec son aiguillon, il essaye de frapper Falgor. Ouh, critical hit. Réussite critique. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que c'est un... Alors, aiguillon, c'est perforant. Muscle perforant, un des muscles perforé, dégâts normaux et affaiblissement, un des 6 dex et un des 6 force. On rigole pas parce dit, que... J'avais dit que je prenais les cartes critiques seulement sur les créatures qui en... Comment dire? Des named. Voilà, donc named. Là je le fais pas, puisque ce sont des. Oh. Il s'appelle Rexin, et donc je le fais. Non, ils ont pas de nom, donc je joue juste le critique, c'est tout. Et donc, du coup, les dégâts. Sur le pauvre Falgor. Ouais, il s'appelle le molosse de MHQ5. Regarde. Et. Par contre. Ah, il y a... effet qui se coule forcément. Ouais, mais je l'ai pas le double effet qui se coule parce que... Ah, je vais pas chercher. Lui qui est disable, tu l'as enlevé du combat tracker? Non, il est encore dedans. Il en walk 5. Ah, il peut encore attaquer. Il y a 6 pions. Deux secondes. Ah. Et c'est parce que tout n'est pas encore... Activé. Voilà, activé.
Tu sens le chant héroïque de Fred. Le maître du jeu, il a pas 30 secondes pour faire son tour. Hein. Ouais, mais bon. Hein? C'est un boulot, boulot. Oh, en forme, lui, ce soir. Ouais, ça, c'est bon, ça. Je l'ai pas. Bon, je vais pas jouer le poison, vous avez de la chance. Je jouerai pas le poison. Quoi? Mais voilà. Si, il faut jouer le poison. Ouais, non, j'en ai pas. Dis-toi, toi! Ah, on reconnaît bien notre Elédouane. Oui. Ah mais moi je t'ai dit que tu jouais by the book hein, j'ai signé pour by the book. Bah by the book y'a pas donc pour voir les jeux. Attends, je vais t'aider, souffrir. Je vais t'aider. Alors y'a un nain qui vient voler en direction de Finn. Bah y'a plus de place. C'est si là. T'as le droit à une autre opportunité mais je t'en as qu'une hein, c'est ça? J'en ai qu'une? Bah, je sais pas. Non, parce que j'ai. Comment ça s'appelle? Attaque réflexe. J'ai pas un don là, j'avais pas pris un truc. T'as attaque réflexe que tu cherches après, est-ce que tu l'as? Ah oui, j'ai attaque réflexe. Tu l'as? Oui, bah, attaque réflexe. C'est un guerrier, il a tous les dons. Hein. Et j'ai deux. Plus deux en dex. C'est et ça, du, non? Du coup, tu peux donc supporter une deuxième attaque d'opportunité. Voilà. Et attends, j'avais pas un truc. Enfonce pieux, c'est quoi ça? Non, ça c'est pas ça. Bon. Ah, coincé, c'est ça, coincé. Ah, c'est pour en plus faire des attaques d'opportunité sur les pas de placement. Ça c'est autre chose. Bon, donc je tape. Ah, j'ai toujours mon plus 4. C'est un peu complexe le gars, quand même. Hein. Ah, oui. Falgor, il est changer. Quel alignement, pardon? C'est ça le hein poison en fait. Il est quel d'alignement? Il est neutre, c'est ça? Ouais, il est neutre. Ouais, neutre, ouais, neutral, ok, d'accord. D'accord. C'est lequel qu'il faut que je tape là? Celui à ma droite, hein, c'est ça? Ouais. Bah, touché. Oui, mais. Quel bon. Mais rien, toujours rien. Et donc, quand il arrive, il essaye de te mordre aux jambes pour essayer de te faire tomber. Non. Alors, notre dans ami... Dans cassé. Alors, ben lui, il était disable, c'est ça? Et donc, en étant disable, je suis chancelant, de toute façon. Et je peux entreprendre qu'une action de mouvement ou une action simple. Donc... Si t'attaques, tu tombes. Ouais, j'attaque, plus. Je tombe. Mm-hmm. Ben, c'est ce qu'elle va faire, hein. C'est une créature... Hein. Donc elle essaye de mordre elle essaye de mordre Vilmar, où y a Vilmar, voilà. Elle essaye de mordre Vilmar. Une action simple et j'ai pas le droit à une attaque à outrance. Oh non. Il pouvait toucher que sur un 20. Oh, il le fait. Putain. Pas de carte pour elle, mais par contre... C'est son action héroïque. Une morsure quand même. Et elle essaye de faire tomber. Le poison. Non, le poison, non, parce qu'il est, il a pas le bon alignement, en fait. Par contre, elle essaye de te faire tomber. Ah non, elle n'y parvient pas. Stauzalt. Je peux rien faire là, ils sont tous devant là. En fait, le poison c'est en rapport avec l'alignement de la personne mordue en fait. Ouais, les douanes elles veulent morfler. Ouais. C'est ça, en clair. C'est ça. Parce que ça se voit pas parce que c'est la seule qui a un alignement loyal bon. Mais ça, Vincent a du mal à jouer. Non, mais c'est juste c'est le poison ça va tomber sur les douanes, c'est juste, c'est bien. Par contre, au bout de son round, hein, elle tombe, hein, la créature. Hein. Parce que j'ai perdu un point de vie, donc logiquement... C'est Oswald de jouer, tu fais quoi Ouais, et ouais. Je disais que le problème, c'est que je ne vois rien. Ils sont tous en... Lance une boule de feu, dans le doute, lance une boule de feu. Une chaîne d'éclair, là, c'est ça. Tu peux te mettre à côté de moi... Je joue au billard en faisant un éclair, là, tac, tac, tac.
Mais Franck, tu peux te mettre juste la case en dessous de moi et normalement tu vois. Ouais, tu vois rien. Ah si, quand même. Bah. Ouais, enfin, c'est pas Yavin qui cache et puis Falgor il prend. Ah si, voilà, dans mes talents je peux voir. Ouais, celui-là, peux, là. Peux, si le MJ autorise. Tu peux viser Finn, ça marche. À la discrétion du maître du jeu. Ah ouais. Oui. Ouais, on va dire que t'as une visibilité plutôt réduite, mais bon. Si tu veux faire quelque chose, tu veux faire quoi? Ah bah oui, je veux lancer un sort. Le MJ. Lancer un sort. Non, je vais juste demander un jet de concentration avant de lancer le sort. Voilà, c'est tout. Alors, concentration. Situation de stress, tu vois pas trop bien ta cible, tu fais putain merde, ça se trouve j'ai touché Finn. Donc un jet de concentration. Je sens le fumble. Pourquoi je sens le fumble? Non, ah, je pense que là, enfin. Voilà. Eh bien, vas-y, tu peux lancer ton sort. Il est concentré là, ça y est. Bon, j'essaye parce que j'ai vu qu'il lançait tout ça, mais moi je suis nul. Je balance 3 rayons ardents sur le molosse là-bas. Eh bien, vas-y, premier rayon. Ah, ça y est, t'as pris des sorts à points de dégâts. Oui, parce qu'il y a des moments où je peux pas invoquer quoi. Ah, bah tiens, ça commence bien quand même. J'en étais sûr! Oh non! Oh non! Ça c'est fait! Oh non! Alors... Et sur le premier en plus. Sur le premier, hein, évidemment. Alors, tiens, je te donne la table. On va rigoler un peu avec la magie. Oh, puis la magie, ouais, ça fait mal. La magie, ça peut faire mal, hein. Oh purée, oui. Magie. Ah, tu saignes du nez! Apparemment, bon, il s'est passé quelque chose. T'as trop forcé, Franck. Tu subis un saignement. Ça aurait pu être pire. Hein. Un saignement par an dans les enfants. Ah oui, c'est un saignement. Hein. C'est un saignement. Ah oui, ouais, soigner, c'est bon, dans 95 rounds, il est mort. Oui, mais bon, chaque round, il perd un point de vie. Hein. Ouais, mais un petit chouchou. Donc tu perds un point de vie. Un petit machin temporaire, et puis hop, c'est fait. Donnez-lui du coton. Un petit truc à zéro. Bon, bah moi je me déplace. Alors 1, 2, 3. Je prends une attaque d'opportunité. 4, 5. Il est héroïque aussi. 6, 7. Oh ouais, tu passes par là, donc il y en a un qui essaye. Mais tu passes sur le chien? Ah, je peux pas passer là? Bah si, il peut passer, mais après. Après, comment. À la discrétion du MJ. Il se prend une attaque d'opportunité en passant, ça c'est clair. Oui, ça c'est sûr. Oui, non, mais ça. Non, mais tu peux passer. Tu passes sur la case de Falgor, après tu peux passer. Non. Ah, en diagonale, d'accord. Ouais, en diagonale. Donc, c'est donc le. C'est le t'arrêtes café. Là ou tu vas plus loin du coup? Ah non, je vais plus loin, je vais aller de l'autre côté. Donc, il essaye de passer. Finalement, essaye de passer. En force. Il essaye de mordre en passant. Non, c'est bon. T'arrives à sauter, tu vois que le chien essaye de te prendre au pied et tu sautes pour éviter de te faire mordre. Ouais, de tel un kangourou, je saute de dalle en dalle et. C'est ma réplique ça. Ah, pardon. Alors, Finn, comment on joue déjà? J'ai déposé, hein, ça y est, copyright. Finn. Oui, deux secondes, on s'affole pas. Hein. Finn. Alors, j'oublie pas le plus 4, j'ai 30 secondes, hein, je l'ai. Alors bah tiens. Ah, plus 4, si je prends celui en tenaille, plus 2, haha. Ah, j'ai mis 55 secondes là, parce que. Ouais, ça suffira pas. Plus 6, hop. Heureusement. Eh bien, tu touches. Avec un 5, il fait 36, quoi. tout est normal. Le normal. Voilà. Et après mes autres attaques, donc ah ça c'est chiant, hop le 18. Ah attends, j'ai toujours mon plus 6. Ah, par contre ce serait bien que vous changiez la couleur de vos dés parce que vous êtes tous noirs là. Enfin à part Vilmar, Falgor et Yavin, mais. Critique, j'ai le droit d'attaque d'opportunité. Attends, je finis mes attaques. Non. On n'a pas de rapidité ni rien. Voilà. Je fais mon attaque d'opportunité, tiens. Et quand tu fais une attaque d'opportunité, j'ai le droit à une attaque d'opportunité, non? Si je fais un critique? Non, ça marchera pas. Par contre, Vilmar et les deux, vous avez aidé. Voilà, merci, changez. Voilà, ok. Merci.
j'ai pas besoin de changer moi. Ah non non non, mais c'est Vincent qui avait pris la même couleur que toi. Ah. Ah, bien, donc là, ta troisième attaque, tu peux peut-être la faire sur quelqu'un d'autre. Il y en a un qui crève là. Ok, c'est celui-là. Je vais l'enlever hein. Par contre, je sais pas qui que c'est. Nouveau round, c'est ça? Ah non, c'est toujours à... Non, pas nouveau round, t'es gentil, je suis à la fin. Finn, tu passes ton tour. Ok, voilà, merci. Ouais. Alors moi, je compte faire une rapidité, mais l'histoire, c'est est-ce que ça peut toucher Vilmar, vu que je le vois pas? Ils disent une créature, et puis c'est que des distances. Accessoirement, il y a moi aussi qui est un peu planqué derrière un obstacle. Oui, mais alors toi, tu seras trop loin de Finn, et super, je préfère toucher Finn. Ça, donc, il faut voir, non. Bah t'as pas voulu bouger aussi, moi. Hein. C'est une aire de fée, hein, donc je pense qu'il n'y a pas de problème, Louis. Ouais, je pense aussi. En tout cas, il n'y a rien de sur visibilité ou truc comme ça, donc bof. Donc, rapidité, ben, Finn est bon, Vilmar est bon, Falgor est bon. Ensuite, il faut être à 6 cases, 9 mètres du prisonnier, donc en fait de Finn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour moi, ça fait la case juste avant Yavin. Je sais pas comment vous comptez. 1. Ouais, moi, avec 2, mes doigts, mais 3, bon. 3, 4, 5, 6. ça pourrait quand même toucher. T'es en forme, Steph, hein? Oui, il est bon aussi, ouais. Ou ça depuis qu'il rentre en footing. J'arrive pas à bien voir le truc. Je sais pas comment on peut tracer un truc, donc je sais comment pas la distance. Tracer un truc. Oui, peut-être Oufine ou... Avec du sang de vierge, je te dirais, Vincent. Si vous tracez un trait d'un personnage à l'autre, là, entre Finn et Oswald, ça donne combien de... Ah, il l'a déjà tracé, là. Voilà. Non, mais entre. Hein? Non, mais il y a beaucoup plus que 6 mètres. C'est ça? Non, pas 6 mètres. Il y a 9 mètres, 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour moi, il y a 1m50 en plus dans les diagonales là, mais. 3, 4, 5, 6. Donc pour moi, il n'y a pas. Bon bref, donc je fais comme ça, rien sur un match de rapidité. Bah oui, c'est vrai. C'est pas gênant, donc on s'en fout. Ah, oui, bah non, je fais pas rapidité, je l'avais déjà fait. C'est pour ça. Les enfants. Ah mon dieu. Ok les enfants, super. Merde, comment là, voilà, paf, tic tic tic. Ben du coup, je vais faire le... C'est du rayon ardent sur le truc. Paf. Hop. Donc pour le premier rayon. Deuxième rayon. Ah, ils ont pas de résistance au feu, tiens, j'aurais cru. Ouais, pourquoi ça marche toi quand tu fais des rayons? C'est de la pratique, toi ça marche les tous les autres sorts. Que je sais pas faire. Ça va les deux, tranquille. Oui, ça va, ouais, c'est pas mal, ouais. Une bonne moyenne, on va dire. Bien. Alors, celui qui est en face de toi, Finn, enfin pas en face, mais en diagonale, essaye de te mordre et te donner un coup d'aiguillon. Alors, avec un petit, effectivement, bonus. De tenaille. Ah, il y a une morsure. Le poison. Mais non, il est neutre. Donc ça marchera pas. Il y a une morsure, mais de qui? De toute façon, c'est avec la queue le poison. Donc. Oui, en plus. Oui. Partially absorbed. Ouais, par contre, il essaye de te faire tomber comme tout à l'heure. Pourquoi c'est partiel absorbé de... Il doit avoir mis des points dans... Les points de vie temporaires de... Points de vie temporaires. Ah oui.
du sort. Bien vu. Et du coup, ça c'est du MJ expérimenté. Ouais. Et il essaye donc de faire tomber. Mais merde. Ah. Ah, vous voyez, Fina, ils peuvent toujours courir pour le faire tomber. Ouais. 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 Sur un 1, ça peut marcher. Falgor fait toutes ses actions, donc il marche sur d'abord. Oh. Alors, c'est une attaque naturelle qui fait, va faire une décharge électrique. Oui, déjà ça a pas passé ça. La décharge électrique. Alors, attends. Est-ce qu'il est immunisé? Est-ce que c'est en plus? Est-ce que ça va être faire des dégâts? Pourquoi tu la scriptes pas, toi, la décharge? Pourquoi tu scriptes pas? Parce que comme ça sera plus simple. Parce que si tu le fais à chaque fois. Bah, oui. tu rajoutes un dans tes dégâts, tu rajoutes un dé, tu oui, rajoutes un nouveau dégât, une nouvelle ligne. Electricity, et puis on en parle plus. Et tu mets un dé de 6 et tu mets Electricity. Donc ils ne sont pas immunisés à l'électricité, ce genre de créature, donc effectivement tu peux. Donc c'est pas résisté, hein, donc j'ai bien 4 points qui passent. Non, là c'est. Non, les 4 points, ça c'est la morsure. Dégâts électriques, je te les fais maintenant. Ah, vas-y. Visiblement, il y a quand même une résistance à l'électricité. Non, c'est electricity, non, c'est pas électrique. Hein. C'est electricity. Oh là là. Ah bah oui. Mais il en a pas, donc... électrique. Électrique. Et donc c'était sur lequel que t'as fait ça Sur en face. Mais attends, ça continue. Donc maintenant, le coup de faux. Ouf. Pas super. Un coup de queue qui va être électrique. Il y a des trucs qui passent quand même. Bah non, qui passent pas. Donc le coup électrique là. Ouais, tu vois là, il est pas résisté là. Bah si, mec, il est résisté, il faut que tu le mettes là. Ça. Et c'est électricité pourtant. T'es sûr qu'il a pas de résistance? Parce que là c'est marqué électricité quand même. Oui, mais est-ce qu'il prend pas la résistance en soi? Je sais pas. Ah, j'ai pas de résistance. Ça marche pas alors. Donc ouais, ça c'était le coup de queue. Allez, c'est parce que ça doit être mal. Je sais pas comment tu l'as fait ton dégât électrique, mais il doit être mal. Ah, j'ai fait. C'est tout. Donc rappelle-moi le nombre de dégâts là, en électrique. 4. Donc ça mise le deuxième coup d'aile. Ah bah voilà, bah ça y est, il fait un automatique, forcément, de toute façon, il fait trop de trucs pour qu'il pas un fumble. Donc la table des fumbles, pouf. Un coup d'aile, c'était un naturel. Ah, il s'est cassé une griffe. Il a une griffe incarnée. Qu'est-ce que vous réussissez un coup critique? J'ai glissé un malus de moins 1 au jet d'attaque jusqu'à ce que vous réussissiez un coup critique. Ouais. ça a duré, hein. Bon, bah écoute, je vais le scripter, hein. Tu scriptes avec l'événement coup critique. Oh, t'es fort. Ouais, je vais le marquer. Waouh. Alors. En tout cas, je passe. Alors. Je fais encore un coup. On va mettre donc. Un, deux... Donc faut que tu fasses un coup critique hein, pour l'annuler, c'est ça? Ouais. T'oublies pas qu'il a le saignement, seul. Ouais. Mais c'est le douane que j'ai. Oui, chaque chose en son temps. Il va pas mourir tout de suite, faut pas exagérer non plus. Voilà, j'ai marqué, Louis, t'as vu. Coup critique annulé. D'accord. Voilà. Bon, Stéphane. Oui, Vincent, je t'écoute, vas-y. Donc, tu as vu que je me suis déplacé, je suis. Voilà, tu constates que je suis à 40 mètres, on va dire, du plus lointain des chiens devant Finaen.
Tu vois mon petit cercle bleu ? Oui, Vincent, je vois ton petit cercle bleu. Donc, Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Colonne de feu. Tu fais une colonne de feu pour deux putains de chiens. Et après, il va gueuler. Oh, j'ai plus de sort, j'ai plus de sort. Oh, mais... Bordel. Donc, je les ai ciblés. On peut pas jouer dans le laissez-les jeu, se faire plaisir. Je balance. Je fais tout. Et voilà, c'est failli en succès. Ouais, voilà, à 2 secondes, je regarde. Tu prends que les demi-dégâts. Donc, d'accord. C'est lequel le 6 ? Je sais celui... pas parce que j'ai plus mis. Faut que je mette le 6. Ah, de toute façon, il est resté. Celui, ouais, pas mal. Donc, je lui fais les dégâts dans la gueule pour. Vas-y. Cible les deux, de toute façon, c'est prendra les dommages. 52 et tu peux la moitié pour le deuxième en dessous. Donc 26. 26. Parce qu'il a passé de doigts. Ouais, parce que là, je suis en train de compter, mais avec mes doigts de pied, c'est pas facile non plus. Alors, c'est lequel celui-là ? Putain, il va falloir vraiment que je remette les. Je vais remettre les. Ah, ils ont quand même 2-3 PV. Hein. Ouah, non. Franchement, ils ont que là. Ah bah si. Il a fallu qu'on s'y mette à deux, hein, quand même. Ah, Finn, il a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. Faut pas l'énerver. Et j'ai passé mon tour. Ok, ça va être à moi de jouer, mais je vais juste... Et t'as fait les 26 points de dégâts non, là, tu permets, Vincent? Ah, il s'est mute. C'est auto-mute. Auto-mute, t'as dit un gros mot et hop, automatiquement ça a coupé. Tu vois l'image du Glabrezou avec son petit doigt en blanc là? Bah, voilà. Ah non, tu peux me le refaire l'image du. Non, mais ça fait toujours plaisir de lancer des colonnes c'est... de feu. Alors, c'est donc le deuxième qui est en dessous qui a pris 26 points. Bonne moyenne. Alors, vas-y. Numéro 6. Numéro 6. Ouais, je viens de remettre les trucs parce que ça me saoulait, je les avais enlevés, mais. Alors attendez, putain, faut que je prenne ma calculette là. Ah oui, les noms sur les. Non, c'est 4 un peu plus, c'est pas si haut que ça, hein. T'aurais pu faire mieux. Hein. Hop là. Voilà. Oh si, il y a quand même une bonne moyenne. Hein. Y'a pas de 1. Hein. C'est 4 un peu plus. C'est à moi. Je suis toujours en tenaille avec l'autre molosse. Et le molosse essaye de mordre comme tout à l'heure. Finn. Et essayer de percer aussi Finn avec son aiguillon. Sur moi. Eh bien, il arrive à te percer avec son aiguillon. Tu fuis. T'es percé. Miro. Joli. Bah, je fuis. Hein. La carte est pas assez grande. Encore. Combien de temps 30 secondes encore. Bah, disons que tu peux rester ici et tu te recroviques dans un coin et tu bouges plus. Ouais. Ça évitera de sortir et que je te remette une carte et blablabla. Donc du coup le molosse en face de Falgor essaye de le mordre et essaye aussi de le piquer, de le percer avec son aiguillon. Le perce. Oui, mais l'aiguillon, il a la résistance. Et non, ça marche pas. Et si. Eh bien, il te... Effectivement, t'aiguillonne et te mord. Alors, d'abord, C'est pas son jour à Falgor, hein, je trouve. Hein. Bon, non, mais Falgor, il se fait toujours toucher, hein, y'a pas de soucis. Bon, c'est rarement son jour. Ouais, c'est ça. Il fait trop d'attaques pour et pas donc faire le poison ne fonctionne pas, puisque tu es neutre. Et comme t'es en l'air, il va avoir du mal à te mettre par terre. En même temps, j'ai plutôt du bol, hein, t'as vu, que des 1. Le molosse en face de toi, Finn, essaye de te mordre pour te faire tomber. Et essaye aussi de t'aiguillonner. Tu vois... Oh, mais c'est pas possible. Sa queue qui fouette l'air. Et il arrive à te mordre. J'ai bien réussi à te faire tomber. Hein. Bon, ça l'aura su à le faire... tomber, ça m'aiderait. Oh là là, je fais des dégâts de merde. Oula, qui c'est qui me fait d'Aquador là? Yael. Non. Ah, ça doit être moi, j'avais la main devant le nez. Hop. Oh. J'ai soufflé sur le micro du coup. Oh, Oswald, à toi de jouer.
Bah écoute, hop, je me décale et je refais la même chose en espérant pas tout foirer quoi. Le critique. Le fumble. Ah oui, le critique, ouais, le critique. Ouais. Le critique fumble. Il est où ? Critique fumble, ça c'est un concept de Stéphane ça. Maintenant je vois la flèche de distance. Ouais, pas passé loin quand même. Eh bien. Le premier rayon qui touche. Premier rayon qui touche. Voilà. Et il faut faire trois fois le jet pour toucher. C'est ça, ouais. Ouais. Critique. Mais voilà, ce que j'allais dire, c'est que tu peux critiquer sur un. Un critique. Et tu peux changer de cible aussi. Hein. Oh non. Non, mais. Ah, vas-y. Oui, je sais que ça, oui. Ouais. Jette ta carte pour voir ce que ça fait en magie. Une critique en magie, ça peut être sympa. Ouais, j'ai pas le truc, mais. Attends, je te le partage. Et donc, ça nous fait sélection naturelle. On peut pas l'avoir. Dégâts doublés et triplés contre les aberrations et les extérieurs. Alors ça... Donc c'est triplé et quadruplé, quoi. Ça, c'est beau. C'est beau parce que... Un extérieur, en plus. C'est un extérieur. Et oui, oh, extraplanaire. Tel... Donc tu quadruples les dégâts. Tel Oswald, quoi. Faut... Alors c'est des gars et tu enlèves le dice multiplier, c'est ça? Ouais, multiplicateur, ouais, bah tu mets x4. Sur level, niveau P1, non, on peut pas là. Tu peux pas sur le sort? Sur les dégâts? C'est là quoi que tu mets ça? C'est qu'il y a le dice multiplier. Ah, attends, non, c'est. Attends. C'est dans le. Ouais. Ah, si, peut-être là. Ah, attends. Quatre. C'est comme ça. Tu fais ça. Bon, on verra, je le fais et puis on verra bien. Alors, c'est quoi que t'as lancé? C'est rayon ardent, c'est ça? Ouais. Alors, attends, deux secondes. J'ai mis entre parenthèses 4, tu vois. C'est ça. Pas là, c'est dans l'autre. Ça marchera pas, je pense pas. Je pense pas que ça marche. Ah oui, il y a pas le truc critique. Non, il y a pas le truc critique pour les dégâts parce que pas le truc critique. Ça n'existe pas. Écoute, non, je le fais dans le chat alors. Bah tu le fais 4 fois puis c'est tout. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'il va pas lancer quand même un dé Ah si, ça marche, regarde. Ouais, il l'a fait. Ah si, ouais, ça marche. Bah, c'est dommage, Léon. Ah Léon, d'ailleurs, ouais. J'ai fait que des merdes d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu l'as. Mais c'est pas 1x4, c'est 1x2 ça. Ça fait 1x2. Il a pris en compte que le critique là. Donc tu peux relancer les dés deux fois donc encore. Tu peux, ouais. Relance les dégâts sur lui deux fois. Ah, mais ça, là il va les faire simple. Ah, là ça fait 4. Voilà, ouais. Et là il est. il est dans un. Et bien moment... ce que je pensais c'est que tu le détruises. Hein. Voilà. Et donc, il manque un rayon. Ah, mais il est bon. Non, c'est bah, bon, justement, hein, tu peux changer de rayon là. Non, c'était le critique. 1, 2, 3, ah oui, c'était deuxième rayon. Le troisième rayon. Ouais, donc t'as encore un rayon. Tu peux changer. Tu peux essayer de toucher celui qui est derrière, ouais. Voilà. Bah, ça touche. Et tu vois que tu fais de l'Oswald avec Oswald sans rayon ardent. Ouais. Donc le molosse vient de tomber au sol, touché par des rayons ardents. Je reprends un point de dégâts. Ouais. Et de l'Edouane qui veut pas te soigner. Bienvenue au club. Ouais, quoi? C'est normal. Ça, normal. Non, mais les priorités, oh, chaque fois. Ben, c'est un simple. Ça va. C'est compétence, quoi. Mais oui. Pour le enseignement. Stéphane Noir. Donc j'ai fait un pas de placement et puis je vais tapoter le MHQ 4, celui qui est à ma gauche. D'accord, celui qui est à ta gauche. Donc attaque en puissance comme d'habitude. Je vais me faire un café le temps que ça va, c'est le tour de table. S'il se passe quelque chose d'intéressant. Alors, Vincent, le temps de se faire des crêpes.
Et je vais me faire des crêpes. Non, mais il est en train de préparer un rôti au four là en ce moment parce qu'il a le temps avec des pommes de terre qu'il est en train d'éplucher. Qui est en train de faire mariner. Ouais, ah, Vilmar, tu t'amuses bien là. Ah. Voilà, j'ai porté deux coups sur. Ah, donc il s'en prend plein la gueule. Alors, moi, comment on fait déjà? Moi. Alors, coup plongeant, comment ça marche? J'ai oublié de scripter un truc, mais alors, putain, merde. Attaque rotative, et avec Vilmar... Putain, mais je fais jamais de critique, mais c'est pas possible, quoi. Oui, c'est incroyable, quand même. Et si, t'en avais fait un tout à l'heure, mais t'as refusé de le prendre en compte. Incroyable de réussir à pas faire au-dessus de 15, quoi. Donc ça, c'était la première attaque. Donc toi t'as bien la tenaille en fait, tu préfères rester en tenaille. Je suis en tenaille Oui, non. Depuis deux rondes. Non, tu es prise en tenaille. Ah oui. Des calories dans la... Oui, oh, pff, pas grave. Et les doigts se vont soigner. Critique. Mais non, c'est pas un critique. C'est... Oui, c'est un critique. Oui, mais c'est un critique, mais de, critique. Par rapport à ta plage de critique, Gaël. Oui, ouais, regarde ma plage de critique, boum. Hein. Boom. J'ai le droit à une attaque d'opportunité. Bon, c'est. Il est mort. Ouais, non, par contre, j'ai le droit à une attaque gratuite avec succession d'enchaînement là. Oui, alors, est-ce que est-ce qu'il m'en reste deux du coup? Plus les rapidités, 3. Non, mais ça te rajoute pas, une succession. Alors, déjà, il n'y a pas de rapidité et succession d'enchaînement, ça marche pas comme ça. Hein. Ah bon? Alors, si, déjà. Oui, déjà, il n'y a pas de rapidité. Je n'ai pas fait de rapidité parce que je l'avais déjà fait. Bah, je vais te le linker, hein, succession d'enchaînement, parce que. Enchaînement final, pardon, enchaînement final. Si le personnage fait une attaque au corps à corps avec que sa cible tombe à 0 point de vie ou à moins à cause d'elle, il peut faire une autre attaque de corps à corps avec son meilleur bonus de base à l'attaque contre un adversaire situé à portée, ce dont permet seulement une attaque supplémentaire par round. Ah, ça marche. Donc il m'en reste ça, deux. Ça marche, oui. Voilà. Donc celui devant toi ou celui derrière toi, comme tu veux. Non, devant. Parce que vous m'avez critiqué sur le fait que je reste en tenaille, donc. Alors que j'assume totalement que je suis héroïque, monsieur. Oh, pas de critique. Ah, c'est un problème pour toucher quand même, avec les bonus. Voilà. Et il me reste encore une attaque au maximum. Ouais. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Et j'ai une plage de critique qui fait la moitié des... Attends, tu peux pas avoir plus 27 sur ta troisième attaque? Ah si, j'ai plus 23, plus le 6 de... Ah, j'ai mis 6 au lieu de 4, pardon. Enfin, t'as moins 10 quand même, parce que c'est ta troisième attaque. Non, c'est la quatrième, là, avec le maximum de... Mais il n'y a pas rapidité. Et c'est la succession d'enchaînement... l'enchaînement final. Ah, tu l'as fait à la fin, d'accord. Oui, je l'ai fait à la fin, pardon. Bah, voilà. Évidemment, t'avais fait plus 23. Non, j'avais fait plus 13. Ah non, c'est des dégâts pour... Ah, c'est difficile, hein. Ah ouais, non, c'est compliqué. Entre ces attaques, ouais. Regarde, c'est le plus 17 qu'il y a au-dessus, là. Je vais même te dire, il y a encore, on joue sur table virtuelle. La même chose, on passe figure. Oui, en vrai, à chaque fois tu multiplies tes dégâts, là, c'est... Alors, Stéphane, est-ce que je vois le 2? Bah, tu deviens bon en calcul mental, c'est tout. Parce que ça rase un peu le... Excusez-moi, j'ai oublié de faire un pas de placement. Maintenant, tu le vois. D'accord. Bah, je vais faire donc le projectile magique. Ouais, mais tu vois, si t'essayes de faire un pas de placement dans ma zone, moi je te tape alors. Oui, direct les dégâts. J'hésite maintenant. Ils ont pas de résistance magique. Enfin, je vérifie, mais je crois pas. Hein. Non, j'en ai pas vu. Ah, bah vous y jouez trop vite quoi, on a même pas le temps de taper quoi. Bah attends, y'en a qui va taper. T'as pas succession de projectiles magiques? Non. Moi j'ai toujours pas eu l'occasion de vous impressionner. Ah oui, parce que ah bah si, l'héroïste là, je t'avoue, c'est appréciable. Hein. Et bien, il fait un pas de placement. Je dis rien là. Et puis il meule. Non mais j'ai un nouveau truc sympa, mais j'ai pas pu le montrer. J'ai le moins 1 d'attaque, hein. Ça, oui, et un joujou extra. Ouais, c'est ça. Et ben voilà. Oh, bon, l'entrée. Heureusement, Dieu. Tu t'es cassé les dents. Mais attends, t'as combien de fumble là déjà sur la gueule?
Falgor, je crois que c'est le record. C'est son troisième là. De toute la campagne, c'est lui qui en a fait le plus. Donc c'est une hippique, hippique. Vous subissez 1 dé de 6 dégâts plus votre modificateur de force. Tu viens de te piquer, je sais pas comment tu t'es débrouillé. Ouais, ça va, c'est pas méchant. Ça va. Donc tu me jettes un dé de 6, tu rajoutes ton modificateur. Ouais. Oh bah t'as qu'à faire presque le maximum. Bah ça fait 7. Voilà. Donc tu subis 6 points de dégâts. Ça marche, ça va. Ah quand même, hein, il baisse. Hein. À force de se frapper lui-même, non, mais il a pas mal. Beaucoup de vie, hein. Je vais soigner. Il en a presque plus que lui. Je vais soigner Oswald qui a des problèmes. Oh mon problème. Dieu, il a plus d'effet de saignement. Oh. Ah, c'était pas puissant guérisseur que tu es. Ouais, je suis très puissant. Ah, tu parlais d'une marque de nettoyant que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. C'est quoi? C'est Vigor. Ça rappelle pas Vigor. Ah bah oui, Vigor. Vigor, ça va. 1, 2, 3. Ah si, je peux faire 4. Et je passe mon tour. Parfait. Eh bien. Il a disparu avec Belle des Champs et le reste. Ouais, tout à fait. Et Caprice des Dieux. Ah non, il y a encore Caprice des Dieux. Eh bien, je m'achène sur Falgor qui essaye de le mordre et de l'aiguillonner. T'as vu que c'était le maillon faible du groupe, donc. Voilà. Et donc, du coup. Il y a l'aiguillon qui passe. Il n'y aura pas le poison. Non, il n'y aura pas le poison. Parfait. Miro. Il est dans les choux. Et voilà, il est dans les choux. Il n'y a plus de musique. Voilà. Projectile magique. Ouais, non, mais là, c'est pas original, mais voilà. On cherche pas à être original, on cherche à être efficace. On va dire. Voilà. Il vient de s'en prendre plein à tronche, le pauvre Molos. Par des projectiles magiques. Eh ben, on va tenter de le terminer. Et Vilmar. Il va enfin servir à quelque chose. Avec la tenaille. Tente de lui couper son aiguillon. Enfin, je viens de comprendre à quoi servait Finn. Pas la queue. C'est un appât, c'est ça. Voilà, donc il y a deux attaques qui touchent. T'as obtenu ta licence de dresseur de Yorkshire. Et il subit effectivement. Il a pas besoin de taper plus. Et il tape plus. Voilà. Il subit le courroux de Vilmar le chien. Et il tombe au sol. Vilmar le chien. Et Miro il courroux. Il est où? Il est prostré dans un coin. Il peut revenir maintenant que le combat est terminé et que quelques minutes se sont écoulées. Bon, je soigne via des canalisations tout le monde, histoire de dire. C'est toujours les mêmes, hein, qui sont quand même un petit peu. Allez, une petite. C'est toujours les mêmes. Lui, il est caché derrière, tu sais. Ouais, je comprends pas. Voilà. Je suis héroïque, moi, monsieur. Ouais, t'as beaucoup de 1 là quand même. Hein, ouais, on fait ce qu'on peut, hein. On peut pas être bon tout le temps. Oui, c'est pas. Et puis Falgor, il est. Il a retrouvé des couleurs. Hein. Oh, mais il peut le soigner. Ouais, mais c'est pas grave. Kevin. Finn, tu as une carrière magnifique. C'est magnifique. Déclenchement de piège, suppo, de la mâche tout ce que tu veux. Il leur demande, t'as vu, ouais. Et Miro aussi, disons. Miro, il s'est pas fait taper ce combat-ci, alors il est pas content. Il y avait rien à cette pièce à parler. Magique. Alors, effectivement, vous voyez qu'il y a une espèce de SPA. Couloir qui descend, là. Mais effectivement, vous remarquez encore d'autres gribouillis et d'autres runes du Tassilon. Pof. Pour ceux qui. Aïe! Aïe! Oh putain! Tu viens de te faire attaquer? Non, je me suis mal tourné comme j'ai mal dans le dos. Du coup, vous pouvez me faire des.
vous savez pas aller le Tassilon de toute façon. Yavin a fait une description de la magie. Il y a pas de niveau. Moi, je sais lire, parce que maintenant je sais lire. Il y a Oswald qui sait lire. Mais c'est Oswald, l'expert. C'est lui qui m'a tout appris. Et donc vous, alors je vais partager pour tout le monde le petit document. Enfin, le petit document. D'accord. Les différentes, on va dire, strophes. Du gribouilleur. Hein. Du gribouilleur. Et effectivement, aux écrits. Ce que vous pouvez rajouter, c'est ceci. Allez, note. Ah, il en manque une partie au début. Hein. Ah, d'accord, tu l'as rajouté dans le truc. Maintenant vous êtes là. Comment tu fais ça? Bah avec le brouillard de guerre. Ah, le brouillard de guerre sur l'image. Mais oui, bien sûr. Tu peux faire sur n'importe quoi. Mais oui, bien sûr. Il y a les scribes qui vont le noter. Et maintenant vous êtes là, vous avez rejoint la forge des connaissances hard, votre esprit se gorge et quand vous abandonnerez les coutumes mortelles, votre travail à la forge runique sera éternel. Oh putain. Oula. Ça a pas l'air. On parlait de la première strophe, la montagne gelée, tout ça là. Stéphane, quand on aura fini le sixième volume, on pourra le reprendre au départ que je suis bien toute l'histoire. T'inquiète. Par contre, on garde les persos. Hein. Ouais, au début, ça va aller vite. Stéphane nous fera un résumé. On les donjons. On récupère le matos. On staff. Non, on staff pas, on le revend. Attends, c'est du matos de niveau. On le vend même pas, on le détruit. On récupère les composants. On désenchante. Ouais, on peut faire du Dez, c'est vrai. Oh là là. Les nazes. Okay. Bon, bah c'est très joli comme poésie, mais je vois pas ce que ça apporte. On comprend pas tout quand même. Une détection de la magie, Yavin ne t'apporte pas grand chose. À part de voir que effectivement toute la pièce, tu l'avais déjà fait, semble être, comme je te l'avais expliqué, il y a différentes sortes de barrières, barrières on va dire défensives. Et donc effectivement, la détection de la magie te permet de savoir quel type de magie est usité dans cette espèce de grand complexe. Donc je te l'avais dit, hein, j'espère que tu as pris des notes. Oui. Donc, non, je n'ai pas noté, mais je crois que c'était de l'aberration. Attends, je reprends moi-même mes notes, je ferme ça. Un petit AFK bio, limite. Non, j'ai pas envie. Merci. Oh, merci. Ouais. On va essayer dans une chaise. C'est comme ça qu'on. Des raids se terminent mal. Hein. Ouais, il y avait différentes défenses magiques, mais l'art de la magie, je crois que tu avais fait, n'était pas assez conséquent pour savoir ce que c'était comme type de défense. Mais en tout cas, il y a plusieurs styles et sortes de magie, effectivement. Pardon ? Bah oui, Zoël peut. Ouais, bah vas-y. Caché ? Non, pas du tout. Ok. Alors, premièrement... T'as pas besoin de cacher, je suis pas jaloux de tes bonus. Premièrement, effectivement, les toiles d'araignée, que lorsque vous êtes arrivé, il y avait des espèces de grosses toiles d'araignée qui empêchaient... qui étaient dans les escaliers en fait ont été créés en fait. Ça tu ouais, sens ça, je savais. Il y avait de l'abjuration donc. Abjuration oui c'est ça. Oui. Voilà. Voilà. Tu sens qu'il y a des tu sens qu'il y a des commandes de l'illusion aussi sur certains peut-être sur certains endroits parois passages tu ne sais pas trop Oswald. En tout cas, il y a de la magie en rapport avec les illusions. Et comme je l'avais dit aussi précédemment, il y a un fort sort de confusion qui imprègne les lieux. Et à chaque fois que vous arrivez en fait à une intersection, ah oui, si c'est pas le cas, tu l'avais détecté. Il y a 50% de chances de prendre la direction opposée à celle où tu voulais aller en fait. Mais, je m'en souviens, mais bon, là pour l'instant, il n'y a pas trop d'intersections, donc c'est pas trop le cas. Mais et il y a un espèce de brouillard que vous voyez un peu enfin un brouillard pas dense hein. Un brouillard une petite brume en fait hein, qui a un petit peu partout dans les pièces
Et c'est pareil, ce sont des espèces de défenses magiques, ce brouillard. Donc, elle réduit un peu la visibilité, mais pas trop, quoi. Par exemple, avec une lumière qui éclaire à 4 cases, bah, au lieu d'éclairer 4 cases, t'éclaires 3 cases, quoi. Donc, voilà. Je suis là, hein. Ok. Donc, que faites-vous? Est-ce que vous suivez le passage? Finn, tu suis, c'est ça, le passage? Ouais. Ça marche. À moins que Vilmar veut... Je pense que Vilmar veut passer devant, je suis sûr. Bah, Large. Ouais, je passe pas. Hein. Moi, je veux bien passer devant, hein. Y a pas de souci. Hein. Ça doit passer, hein. C'est pas possible. Effectivement, c'est un peu étroit, mais. C'est étroit, ouais. Et on passe à 4. Je passe devant alors ou quoi? Ouais, vas-y, je te laisse passer. Ok. Donc, je me faufile. Ouais, tu te faufiles dans un passage assez étroit. Pour déboucher en fait sur une espèce d'intersection. Tu vas aller à droite ou à gauche? Quelle importance, de toute façon je vais aller dans la direction opposée. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, donc dis-moi où tu veux aller. Bah à droite? Bah à gauche. Non, il y a 50% de chance. Oui. Donc tu me tires un jet de pourcentage. Pourcentage, tac. Eh bien, tu vas à droite. Je le savais. Par contre, les autres ils vont à gauche. Bah, tu parles d'une intersection. Trouver le même endroit. Alors. Paf. Non, si je fais ça, ça va pas le faire. En entrant dans cette, enfin pas en entrant mais en regardant un petit peu dans cette pièce, tu vois que les murs, les plafonds, le sol de cette pièce, par ailleurs complètement vide, sont méticuleusement couverts d'écrits, souvent si serrés et entremêlés qu'ils sont presque illisibles. Vous voyez une porte ici. Et sur la porte en fait. On distingue 4 courtes lignes, les seules à être gravées dans la pierre. Courtes lignes? Des courtes lignes, oui. Des lignes de quoi? D'écriture? D'écriture, oui. Bah, je demande à Oswald de... J'entre dans la pièce et ensuite je demande à Oswald de venir inspecter. J'attends qu'il me dise que ce soit... C'est bon, la pièce est sûre. T'occupe pas du dragon. Donc je rentre dans la pièce et puis de regarder si j'arrive à lire ce qui est écrit sur la porte. Alors faut que je regarde laquelle que c'est. C'est celle-là, ok. La 16. La 43. Oui, j'aimerais bien savoir faire des maps que fait le mec, elle me plaît bien sa carte. Bah les maps que t'avais faites étaient déjà vraiment très bien. Il passe à plus de temps que toi, c'est tout. Bon. Oh non, il n'y a aucun mérite. Un artiste, le mec. Non, le mec, il est bon. Alors voilà ce que vous lisez, je vous repartage. Bon, je déplace les doigts depuis un bout de temps, on l'entend plus, donc je sais pas ce qui se passe. Hein. Bah, vu l'image, plutôt le début plutôt que la suite. Il est en train de manger son poulet rôti. Et... Mais quoi, secrète. On l'entend plus, je vous écoute. D'accord. Bon, bah, tu déplaces ton chemin tout seul maintenant. Hein. T'es un grand. Hein. Oh. Ne mange pas de poulet rôti. Le savoure. On est 7 clés gravissées les escaliers. En général, on savoure un poulet rôti, mais la belle rouge qui a élevé en liberté, tout ça, machin, élevé avec du bon grain. Dans ton appart? Bah, évidemment. C'est
C'était déprimant. Je ne sais plus quoi dire maintenant, de toute façon. Les mots te manquent. Ouais, donc alors. C'est l'émotion. Si vous leur deux fois les clés dans l'acier, donc. Si vous leur offrez prière et sort approprié, prenez les 7 clés et gravissez les escaliers. Oula. Ouais. Vous leur offrez prière et sort approprié, prenez les 7 clés et gravissez les escaliers sur une montagne gelée. Ah ouais. Ça a l'air de. Ah ouais, c'est des strophes super. Y a pas le petit manuel de. Parler ancien ou des conneries comme ça, parce que là. Je t'ai dit, je parle. Certes, mais ça veut rien dire. Mais après, il faut arriver après, c'est à vous de. Par contre, moi je pense que. Bon, là, il nous manque des morceaux. On pourrait peut-être se servir, vous savez, de ma bibliothèque tassilonienne. Oui, oui. Pour faire des recherches. C'est bien. C'est celle que j'ai condamnée qui n'est accessible que par téléportation. Bah, à mon avis, le reste qui manque. Doit être quelque part dans les le terrain. D'avant. Ou d'après. Ou après. Sinon, c'est une porte, hein, donc il y a une poignée. Eh bah, frappez et entrez. Tout à fait. Mirobolant va l'examiner. Voilà. Ouais. Par exemple. Alors, attends deux secondes. Deux. Là où il y a Vin, tu pourrais nous découvrir quelques cases. Ouais, oui, deux secondes. Parce que je compte pas rester dans la pièce. C'est un peu trop piège. Quoi. Mais c'est bon, il y a Miro, on est. Mais ça, oui. Attends, on est tranquille. Vas-y, je t'ai fait de la place. Non, mais vous voulez pas entrer. Je sais. Putain. deux secondes, j'ai un problème. La porte refuse de s'ouvrir. Non, j'ai un module qui est pas activé, du coup il veut pas me lancer le truc. C'est quoi qui est pas... D'accord, ok. Deux secondes. Le temps qu'il se mette en place. Voilà. Voilà, c'est bon. Nickel. Alors. Ah oui, le petit book. Ah oui. Putain, ça donne. Miro, tu me fais un. Là, il est ouf, il est là. Il est pas spécial. Tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. Non, tu ne détectes rien. Tu peux regarder. C'est magique, tout ça. Détecture la magie. Détection de la magie, non. Aucune magie. Y'a rien. Je pense qu'un homme fort doit l'ouvrir. Je pense que c'est ça. Bien, je me propose, j'ouvre la porte. Alors, je me pousse sur le côté, hop. Tu ouvres la porte. T'as pas confiance en les détections de piège de mirobolant? Pour désamorcer le piège, tu fais confiance pour le trouver, moi. Quel beau couloir. C'est beau, hein. le constructeur fou est revenu. Donc tu as un long couloir avec quelques brèches sur les côtés, effectivement. Que fais-tu, Vilmar? Je rentre, hein. P-A-C en tassilonia, ça veut dire quoi, déjà? Alors, tu remarques au bout... A dû être effondré par mal à cause du tremblement de terre. Tu
Tu remarques au bout c'est une espèce de cul-de-sac, mais tu remarques une porte sur le côté droit. Ok. Tout le monde passe ou... Bon, hey, Ramsès, ça finit là ? Moi je regarde où il en est et... Bah tu vois qu'il est au bout du couloir et tu vois de la lumière au bout du couloir. Malgré le fait qu'il y a un peu de brouillard un peu partout, et les douanes est devant ça me rassure pas, un truc comme ça. Bah là, finalement, il a une plume d'oie et il trempe sa plume d'oie dans un encrier et puis il dessine le plan, en fait, au fur et à mesure. Dans la porte, c'est ça, Steph ? Pardon ? C'est moi qui suis devant la porte. Oui, c'est toi qui es devant la porte, Vincent. Moi, j'examine le cul-de-sac. Avec son personnage. Bon, ouais, bah... Tu fais un jet de perception. Bah, tu sais bien que je vais réussir. Bon, j'examine la porte. Ok. Les douanes se mettent à quatre pattes pour regarder la serrure de la porte. Non, pas à quatre pattes, faut pas déconner. De faire pendant que Wilmar regarde au fond, y a rien. Oh, le beau cul de sac. Par contre... Oh, je ouais. Parle, je parle du, non, mais je parle du fond du couloir, ouais, sur pas de, la, il y a d'autres qui la, a la quatre pattes. La perversion est en toi, c'est une évidence. C'est pour ça que je suis habillé tout en plaque, hein. Tout est blindé, hein. Tout est blindé, mon ah, dieu. Ah oui. En plus t'as la ceinture et de. Il y a la ceinture et tout, le cadenas, la serrure. La clé de l'acheter. Ah évidemment, hein, avec des pervers comme toi, faut se méfier. Ouais. Non, je suis fidèle à Chalélu, bien sûr. Ouais, j'ai des images de Chalélu, c'est chaud. Hein. Bon, ceci étant dit... Je remarque quelque chose, Steph, sur la serrure, la porte, le machin. Tu m'as fait un jet de perception ? Ah, tu veux vraiment ? Non, je sais pas, ça pouvait peut-être non, passer ça. Tu voulais vraiment un jet de perception ? Bah quoi, roleplay, tout ça, c'est magnifique, ça passe. On n'est pas dans le... Monsieur, ici on ne fait pas de narrativisme, non. Quoi ? Passez votre chemin. Et du coup, tu remarques vraiment rien. Ni Wilmar d'ailleurs. D'accord, bon bah j'ouvre. Tu vois que là, il y a un petit problème avec la serrure, puisque tu ne peux pas ouvrir, c'est fermé. Eh bien, j'utilise un puissant sort que j'ai peut-être. Et ben moi aussi, je vais regarder un truc parce que... Ouverture de porte, ah non. Peut-être que Miro a des outils sur lui C'est possible que Miro ait des outils sur lui. Ah bah dans pardon, ces conditions, pardon, je pardon. Laisse la place à Miro. Pardon. Tu restes là, Edwin, à la sortie, là, enfin à l'entrée de la pièce, du couloir, pardon. Ah non, Miro débarque. Pas Edwin, Vifine, pardon. Ouais, je surveille d'ici, là. D'accord. Ouais. Il y avait une belle ligne de foudre, là. Tu veux, je me mets là. Tiens, voilà. J'ai braqué. Oh, le méfiant. Non, bah, je surveille les arrières. Ça peut pas me rassure pas, ce truc. Alors, tu veux que je fasse un jet de sabotage ? Oui, s'il te plaît, ouais. Perception déjà perception. Perception, c'est pas ma meilleure compétence. Ouais, ça me rassure pas non plus, finalement, leur réflexion. Bah, restez, j'ai fait natation, parfait, Gaël. Ah, mais il y a eu perception et natation, c'est bizarre. Bon, ça a lancé les deux compétences en même temps. C'est trop fort. Des perceptions, quoi. Tu le vois bien, perception, Stéphane ? Oui, je le vois, ouais. Ben c'est écoute, comment je peux lancer deux avec un seul jet de... Tu distingues rien de particulier. Par contre, la serrure a l'air assez complexe. Donc, le 2D sera de 20. Donc, tu peux faire un jet de sabotage pour essayer d'ouvrir. En caché ou pas ? Non, parce que je viens de te donner le 2D. Donc, sans problème, tu arrives à crocheter la serrure. Ouais, il n'y a que 15. Ah, mais il sert à quelque chose, Miro, finalement. Moi, j'ai un moins 2, là. C'est quoi, le moins 2 ? Je sais pas. Paniqued. Merci. Ah, bah, t'es plus paniqued, ah, bah, faut l'enlever. Paniqued, ouais, faut que j'enlève. Faut que j'enlève...
Ok. Donc, et donc j'ouvre la porte. T'ouvres donc la porte. Alors. Et donc tu te prends un bulldozer. Au moment où tu entres dans la pièce, t'es de quel alignement toi? Tu es neutre, c'est ça? Ouais. Il est neutre aussi. Mais tout le monde est neutre. C'est marqué où sur le feuille là? C'est dans les effets. Dans les effets. Et c'est marqué dans ta fiche. Oh, dans les notes. L'onglet notes. Ah, notes. Oui, voilà, c'est bien noté. Tu vas donc me faire un jet de volonté, s'il te plaît. DD 22. C'est de la peur ou pas? Non, pas du tout. Dommage. Un jet de volonté. 22, j'ai l'impression qu'il va y avoir du mal. Ouais, je pense aussi. Merde. Ah oui, 22, voilà. Voilà. Ah oui. Il fallait faire 20. Ok. Au moment où tu entres dans la pièce, en fait, tu te sens vraiment pas très très bien. T'as comme un effet de mal-être, en fait. Et... alors attends, parce qu'il faut que je regarde combien c'est, que je me trompe pas... Ah, c'est ça. Donc c'est. Wesh. Donc tu te sens vraiment pas très 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 bien et tellement mal que tu en subis des dégâts physiques. Okay. 35. Donc tu enlèves 35 points de vie. Ouais, c'est un peu ça. Ah, ouais. Ah, quand même. Ah oui, 35. Tu sais combien il a de points de vie, hein. Non, je sais pas. Il y a combien? Ah, il y a 36. Ah ben voilà. Donc effectivement, Miro ne se sent vraiment pas très bien. Non, il a pas 36, il a 57 points de vie. Oui, mais ce qui lui reste, c'est pas long. Par contre, tu vois que ce qui se passe dans la pièce, c'est que... Par contre, je suis rentré là, du coup. Ah, t'es rentré, tu peux faire un pas en avant. Voilà. Tu remarques que les murs de la pièce sont décorés par un flot impressionnant d'écrits et de runes. Il y a un corps humain qui gît dans un coin sanguinolent dont les os semblent avoir été brisés en une dizaine d'endroits. Et tu vois qu'il y a une petite table basse couverte de fioles de liquide coloré et une plume de paon dans un encrier. Quand tu dis sanguinolent, c'est que ça saigne encore? Oui, ça saigne encore. Miro, Vilmar, Eledwen, Oswald, vous allez tous me faire un jet, s'il vous plaît. Un jet de... volonté... Encore? Ouais, un autre jet de volonté, s'il vous plaît. T'es de la peur? Non. Eledwen, c'est bon. Miro, c'est pas bon. Vilmar, c'est bon, Vilmar, dis donc. Ouais, oui. Oswald, t'es pas bon, dis donc. Alors, Oswald, Franck, je vais te prendre à part. Tu viens aussi ou pas? Non, tu viens pas. Tu viendras après. De toute façon, c'est un PNJ, voilà. Alors, t'as un sentiment très étrange en fait. Tu entends comme dans ton quelqu'un murmurer dans ton esprit et qui te dit l'influence de l'HTU a corrompu tes compagnons. Ils se préparent à te capturer. Fais attention. Ils veulent te sacrifier à la déesse. Donc, en d'autres termes, tu viens de devenir paranoïaque envers tes compagnons et tu feras tout. Alors, attends. La suggestion encourage la victime à faire tout ce qu'elle peut pour se défendre, trouver un endroit sûr où s'échapper à ses prétendus alliés
et à riposter s'ils tiennent de le retenir. Je peux pas cramer un point d'héroïsme pour éviter ça, parce non, que sinon c'est vite fait, je me téléporte et je me barre. Non, tu peux pas. Bon. Ça, je peux pas te l'accorder. Par contre, tu peux effectivement utiliser la téléportation pour ton fire. Ah ouais, en criant, bah, c'est fini, vous, quoi. Ne c'est la rue terminée, quoi. Vous ne m'aurez pas. Oui, tu peux ou non, t'es pas obligé d'utiliser téléportation dès le départ, mais tu peux t'enfuir en disant ah, vous m'aurez pas. Enfin, tu vois un petit peu, quoi. Tu vraiment, tes ouais. compagnons sont là pour te sacrifier, quoi. Ça marche? Bon. Ouais. Alors, ok, je te rebascule, mais avant. Il va avoir l'habitude. J'ai déjà fait un truc comme ça en plus. Alors attends, qui c'est qui a loupé son jet aussi? C'est Miro. Miro. Donc, ok. Bah, je te remets en salle et puis je prends Gaël. Attends, tu vois, je vais faire un truc. Mais... Bah, attends, tant que je revienne. Ça va être drôle. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Alors, Gaël. Oui. Alors, Miro. Miro entend. Voilà. Miro entend entend comme une voix en fait dans son esprit qui est en train de lui murmurer, une voix plutôt féminine qui dit l'influence de la Majtu a corrompu tes compagnons. Ils se préparent à te capturer pour te sacrifier à la déesse. Alors, en d'autres termes, c'est une suggestion qui t'encourage à faire tout ce que tu peux pour te défendre, trouver un endroit sûr où échapper à tes prétendus alliés et à riposter s'ils tentent de te retenir. En gros, pour toi, là, tes compagnons, même Elédouen, hein, sont... Même Finaen. Ouais, Finaen, pardon. Sont du côté obscur. Et toi, tu dois t'échapper de tes compagnons. Voilà. Mais j'ai plutôt tendance à vouloir partir d'ici ou à vouloir rester ici et cacher des choses. Non, t'as tendance à vouloir partir de tes compagnons. Tu veux partir de... Tu peux par exemple refermer la porte derrière toi, tu vois. Oui, mais je suis enfermé dans ces cas-là, donc... Oui, mais bon, eux, au moins, ils t'attraperont pas. Ouais, mais c'est pour ça que je te demande, tu vois, si je cherche plutôt à partir ou plutôt à dissimuler. C'est toi qui vois. En fait, c'est t'es dans une situation où pour toi, l'ennemi, c'est eux. Voilà. Ah, l'ennemi, c'est eux. Donc je ferme la porte, oui. D'accord, bah attends, tu... Et je recrochette confortablement. D'accord, bah attends, d'abord, ça c'est ton action, je te rebalance dans le... Je te rebalance dans le dragon, oui. On va gérer ça. User was moved out of your channel. V03 pour Fantasy Ground Rule 7. Ok, alors, Miro et puis Oswald, si vous avez des choses à faire, c'est le moment. Ouais. Bah, je fais. Ok. Vous m'aurez pas, bande de traîtres. Boule de feu. J'utilise ma baguette. Hein? Voilà. D'accord. Et vous entendez la porte claquer. Une envie pressante, Miro. Évidemment, je n'ai pas. Et qu'on a perdu. On a perdu Vincent qui a perdu la connexion. Ah. Ah. Hop, je disparais. Ah bah, ça te change. Ah ok, d'accord. Ah, Vincent vient de se connecter. Oui, non, j'ai eu un reboot de la Freebox. Alors, petite explication. Vous avez vu Oswald... Déjà Vincent un peu, oui, voilà. Oswald vient de disparaître en criant « Vous ne m'aurez pas !» Et Miro, lui, vient de refermer la porte derrière lui et vous entendez comme si ben, il était en train de la refermer, en fait. Il a crocheté. Et Oswald, hein, et Oswald vient de disparaître. Oh putain. Des crochettes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ah, je sais pas. Oh putain. Je sais pas. Tout va bien? Bah, moi ça va, mais Oswald et Miro ils sont bizarres. Ah, Oswald il est encore parti dans ses plans, c'est ça? Bah, j'imagine qu'il a dû partir dans un autre plan, oui. Oui, mais il a l'air d'être parti volontairement, ça c'est plutôt curieux. En disant quand même, vous ne m'aurez pas. Oui, ce qui... Bah, il parlait au Tassilonien. J'ai le droit de lancer un sort, Steph? T'as le droit de faire ce que tu veux. Parfait. Ouais, dissipation suprême, c'est un peu violent quand même, mais bon. Bah, c'est surtout que ça fera pas revenir aux Zol, hein.
Bah, je sais pas. Par contre, ça peut peut-être faire Par contre, disparaître. ils ont peut-être. Tu peux peut-être faire un jet de art de la magie sur. Oui, tout à fait. Pour savoir quel sort a utilisé Oswald, non? Ah oui. Pas bête. Je vais faire ça, tiens. Ouais, je vais parler à Stéphane, mais. Oui, non, mais mais il peut le faire. Je peux le faire aussi. Hein, J'ai vu ton message, Franck. Je fais un jet d'art de la magie pour savoir ce qui s'est passé, enfin quel sort a été utilisé. Putain, c'est quoi déjà la formule? Attends, deux secondes. Hop. Je la connais pas. Il faut que je regarde le. Alors, art de la magie. Ça. Art de la magie. 15 plus niveau de lance. Nous, ce qu'on croit, c'est qu'il a. A priori, c'est qu'il a fait une téléportation comme d'habitude. Niveau du sort. Franck, c'est quel niveau de sort? Tu me dis en MP, s'il te plaît. Ok. Ah ouais, oui. Ah oui, ben oui, ben oui, bah tu comprends qu'en fait, il a lancé un sort d'invisibilité. Il s'est lancé un sort d'invisibilité, Eleven. Pour nous. Ok, tu le dis. Sort d'invisibilité. Donc... Pour moi, il est reparti dans ses plans. Ouais, ouais moi, je... donc ça veut dire que si je balance quelque chose. Un sort de dissipation de la magie, il y a de fortes chances que je le fasse réapparaître. Mais pourquoi tu veux le faire réapparaître? Parce qu'un mec qui devient invisible en disant vous ne m'aurez pas, ça m'inquiète. Bah, tu fuis! Ouais, un mec invisible, mais on a. Non, pour fuir ce qu'il fuit. Non. Ah, je tu veux fuir où là? T'es obligé de rentrer dedans en fait. Oui, j'allais te dire. Ouais. Non, j'ai pas encore testé de toute façon. Je balance et puis basta. Steph, je te le balance. De quoi? Bah, dis-moi ce que tu fais. Tu fais une dissipation de la magie. Dissipation, ouais, dissipation suprême. Dissipation suprême. Ah, il y a que celui-ci que j'avais pris. J'ai eu, donc je vais tester. J'ai pas encore testé. Tu dissipes tous les objets magiques du groupe. Ça c'est fort. Non. Attends, faut que je regarde avant. Je vais te lire le sort. Toutes les potions, toutes les baguettes, tous les machins. Dissipation suprême. Non, mais c'est vrai, on s'emballe. Très bon. Alors, ça peut être une zone. Je vais faire la zone, c'est-à-dire le petit couloir où je suis. Alors, utilisé de cette manière, le sort prend pour cible tout ce qui se trouve dans un rayonnement de 6 mètres. Le personnage fait un test et l'applique à toutes les créatures de la zone, comme s'il visait une dissipation de la magie. Dans le cas d'un objet affecté ou plusieurs, le personnage procède d'un. Les objets magiques ne sont pas affectés. Le test de 6. Le test de dissipation, blablabla. Bla bla. Bon bah, go. Ouais. Donc tu fais une dissipation de zone, attends. C'est ça? Ouais, le dernier point où j'ai vu apparaître Oswald, c'était où? Une case devant toi, ouais. Donc, okay, tu fais un. Bah, fais-moi un rayonnement de 6 mètres. Hein, donc, ça fait 4 cases de rayon. Je m'avance de 2 cases par rapport à ouais, ma position. Et... C'était là, j'avance de 2 cases et je fais le rayonnement. D'accord. Enfin, je fais les 4 premières cases devant moi, tout simplement. D'accord. C'est un rayonnement. Un rayonnement, c'est quoi un rayonnement? C'est un cercle? C'est un. C'est. Un rayonnement, c'est un cercle, oui. Un cercle, ouais. Ok, d'accord. Écrit par un rayon. Eh bien, donc, tu me fais... alors, dissipation, c'est un dé de 20 plus ton niveau de lanceur de sort. Et on compare avec le DD qui est dépendant du niveau de lanceur de sort de l'effet ciblé. D'accord, donc, ce sera 11 plus le niveau de lanceur de sort. Donc, ça fera un DD de 13. Pourquoi 11 plus le niveau de lanceur de sort? Non, 23. Oui, j'ai... 11 plus 12, 23, pas 13. Ah oui, pardon, oui, pardon. 23. Donc c'est le DD de 23. Donc je te lance... Ouais, tu lances un DD de 20 plus ton niveau de lanceur de sort et tu dois faire... Il est où mon DD de 20 déjà? En fait tu lances simplement le... Machin, le quoi? Un bouton pour ça. Ah oui pardon, il faut que je le retrouve. Le truc de concentration. Ouais c'est comme un jet de concentration puisque tu rajoutes ton niveau de lanceur. Ah peut-être pas trop parce que... Ah, il y a peut-être du bonus, c'est je t'ai mis machin, le... ouais, bon.
jette un dé de 20. Fais comme disait Stéphane. Et écoute pas Louis. Tu préfères que jette un dé de 20. Et tu rajoutes. Je rajoute 12 quand même. Voilà, tu rajoutes 12. Tu te mets 12 dans le modif et puis tu. T'es lancé. Ah putain, ça fait 15. C'est pas terrible. Donc non. C'est pas super. Non. Bon. Il est reparti dans son plan. Tu ne dissipes rien du tout. Ok, bon, bah ça c'est fait. Que faites-vous ? Colonne de feu ! Moi j'essaie d'ouvrir la porte avant qu'il ait le temps de finir la crocheter. Voilà, on va faire un jet opposé alors à ce moment-là. Tu vas me faire un jet de Dex. Et. Ben oui, parce que tu essayes d'être rapide, le plus rapide possible. Pour ouvrir la porte. Alors que. J'ai l'initiative alors. Miro essaye de la fermer. Donc, Miro, tu me fais un jet de crochetage opposé au jet d'agilité de comment dit Dilmar. Sabotage. Sabotage. À moins qu'il fasse 1, je vois pas comment je pourrais faire mieux. Hein. Comparer une compétence avec un jet de Dex, forcément. Oh. Ouais, c'est vrai, mais bon, après, je vois pas comment je peux gérer la chose en fait. Fais-moi un jet de Dex, Miro. Un jet de Dex ou un jet de réflexe? On peut peut-être essayer un jet de réflexe. Il a fait dextérité check. C'était un jet de Dex ou un jet de réflexe? Refaire un jet de réflexe. Faites-moi tous les deux un jet de réflexe. Voilà, comme ça. Jet de réflexe, bah on est meilleur que moi. Hein. 22 contre. contre 24. Ah non, et non, donc je suis qu'un petit level, hein, moi. T'es pas assez rapide, Miro, pour fermer, pour crocheter la serrure. Je retire avec mes petites forces. Alors, là, c'est. Non, mais y'a pas de problème. Vous me faites tous les deux des jets de force. De vigueur. C'est pas BMO contre DMD? Ah oui, on peut faire ça, ouais. Ouais, on peut faire ça. Un jet de BMO contre DMD. Je pense que Miro va décoller et qu'il va se retrouver dans la table. Donc j'lance BMO. Et il va perdre encore des points de vie. Qui c'est qui fait sur l'autre? Bah en fait. Alors. C'est toi qui tires la porte sur moi. Enfin tu vois, moi je lâche. Tiens, je pense plutôt. Ouais, donc c'est BMO contre BMO Vilmar et puis DMD Miro. Hop DMD de Miro plus la porte, non? La résistance de la serrure. Miro, hein, qu'est-ce que tu fais? Tu vois Vilmar. J'ai un effet moins 4 là, c'est quoi ça? Je sais pas. Je sais pas. Moi je fais. C'est Power Attack qui est resté. Power Attack, l'attaque à moins 4. Je me recule, et je sors mon ma dague. Tu vois Vilmar qui rentre dans la pièce, et Miro, tu vois Vilmar il sort sa dague contre toi. Vilmar il est pas content. Et qu'est-ce que tu fais, Miro? Je me battrai jusqu'au bout! Tu fais quoi, Finn? Moi, j'entre. Hein. Ok. Je crois qu'on on va tirer l'initiative. Ouais, je crois. Hein. Ouais. On va tirer les initiatives. Ça appartient à Suzette, ta perte. Ouais. Et Finn, tu vas me faire un jet de volonté, s'il te plaît. Ah. C'est ma meilleure compétence. On tire tous ces initiatives? Attendez deux secondes, on frappe à la porte. Oui, tu peux tirer ton initiative, hein, ça mange pas de pain de toute façon. T'as réussi ton jeu de volonté? Ouais. Quoi, c'était fait plus 4? Ah, l'héroïsme suprême, il est peut-être plus là, non? Ouais, je pense qu'il est plus là. C'était 12 minutes, quand même. Bah, discrétion du maître du jeu. Ouais, je pense qu'on a passé les 12 minutes, quand même. Ouais, après, on n'a pas. Ah, désolé, c'était encore mon voisin qui a des problèmes d'électricité, qui me demandait si j'ai l'électricité. Mais tu lui as dit que non?
Et je lui ai dit, bah si, j'en ai. Non, non, je suis sur internet. J'allume pas. Alors, du coup. J'ai fait 25 à mon jet de. 25, ok, pas de problème. Ça marche. Alors, ben, initiative. Et est-ce que j'ai toujours. Je pense que j'ai plus l'effet héroïsme suprême. Je sais pas, ça a duré combien de temps normalement ça. Minute. 6 en minutes Ouais, non, tu l'as plus. Pof. Et. Moi, c'est. Panoplie magique. Toujours panoplie magique. Putain, la vache. Panoplie magique, c'est 12 heures. Non, c'est des heures. Ouais, il faut juste que je regarde quelque chose. Ça devrait le faire. Ok. Ah ouais, quand même. Bien. Du coup, ben les jetez-moi les initiatives entre vous comme ça. On va. Ça y est, c'est fait. Tout le monde a fait. Okay. Les Dwayne, Finaël, Vilmar et Miro. Ok. Allez, c'est parti. Alors, ben c'est. Pourquoi c'est Oswald en premier? Maintenant, c'est. Non, pas... non, c'est pour le remettre à la mienne. Alors, Finn. Parce que j'avais pas fait l'initiative. Ah, d'accord. Je sais pas s'il y avait besoin pour moi. Finn. Qu'est-ce qui t'arrive, Miro? Pose cette épée. Voilà. Ça, c'est fait. D'acteur. Quelle belle interprétation. Donc maintenant, il interprète Miro. Tu peux finir de dessiner la carte, Stéphane, que je voie ce qui. C'est un mur, c'est quoi? Ah oui, c'est un mur. Mais... Ah oui. Forcément, bah je le mets en joue et j'espère qu'il me frappera pas. Non, ne me frappe pas. Hop. Oswald. Pareil. Boule de feu. Dans un couloir. Yavin. Ah oui, bon, y a rien à faire. Hein. Je suis pas dans le truc, quoi. Et les douanes? Ouais, bah j'allais dire je suis pas dans le truc, mais je vais rejoindre Yavin pour voir si je ouais, touche. Si j'ai invisible. Ouais. Si tu y es. Je joue à chat, j'ai main devant pour voir. D'accord. M'attends à rencontrer un obstacle en fait. Ok. Passe ton tour. Ok. Et ben moi je vais passer mon tour. On va jouer chacun voilà pour un round. Vilmar. Comment ça, toi tu vas passer ton coup? Oui. Ouais. Vilmar. Je comprends pas. Ouais, Stéphane. Comment ça, tu vas passer ton tour? C'est quoi? C'est quoi ça? Y'a nous là. Vilmar. Non. Ouais. Tu vois Miro avec Sada qui essaye de te menacer. Finn, on fait quoi? Je pose la question au Finn. Moi j'essaye de le raisonner, hein. Miro, mais arrête ça tout de suite, c'est pas possible. Et Miro, il veut en découdre, enfin c'est pas qu'il veut en découdre, c'est qu'il se protège. Laissez-moi partir, il fait, laissez-moi partir. Bon, je cherche à l'assommer, j'utilise la règle d'assommage. T'as une règle d'assommage? Ouais, c'est très simple, c'est à moins 4 à TG et c'est des dégâts non létaux. Et bon, quand t'es à zéro, t'es assommé. Ah oui, ok, c'est d'accord. C'est pas dur, c'est la même chose à Savage World. Bah alors vas-y. J'essaye d'assommer Miro. Avec moins 4. Je pense qu'il va... Il va mais il me frappe. Mais il me frappe. J'ai pas l'attaque en puissance, hein. Recul. Bah, voilà. Hop. Ah oui. Ah bah, ouais, j'ai réussi à le misser quand même. Hein. Ouais, et t'as réussi à le criticalite aussi. Critique aussi. Ah oui, j'avais pas vu. T'as moins 8, hein, heureusement. Hein. Ah, mais j'ai encore. Mais pourquoi j'ai moins 8? Mais non, t'as pas moins 8. Ah si, moi t'as moins 8. Un hein. Effet de moins 4 de ton. Comment ça s'appelle T'as ton attaque en puissance, comme je t'ai dit. Et t'as un moins 4 en plus qui vient de je sais pas où. Ouais, parce qu'il fait des dégâts. Ouais, l'attaque en puissance, je vais scripter le pour l'enlever, hein, parce que. Oui, c'est pas mal, mais. Voilà. Donc là, c'est quoi le deuxième moins 4 J'en sais rien du tout là. Bah, c'est toi qui as mis un moins 4 pour. Ah oui, c'est ton modificateur de. Ah oui, c'est moins 4. D'assommage. Ah oui, ça c'est normal. Donc, mais par contre, le moins 4 de l'attaque en puissance. Oui, mais je viens de l'enlever.
Du coup, à 21, je touchais ou pas? Bah oui, je touchais. Donc normalement, les 3 touches. Je pense que tu touches à 21. Oui, oui, tu touches, c'est 20. Ouais. Tu touches à 21 parce que t'as fait un 25 en fait. Donc tu touches à. C'est à 19. Donc, tu tapes avec la. Ah, il est mort! Il est mort! Ah bah oui, mais non, mais ça c'était non léto. Hein. C'est des. Ouais. Ouais. Bah, il est mort quand même. Il faut que tu leur mettes 32 points de vie et que tu leur mettes en non léto. Ah, attends. T'as la gueule de Finn quoi derrière. Ou pardon. Tu viens de finir. Ah, attends, t'étais. Ah, tu le fais, Gaël? Ok, d'accord. Ouais, voilà. D'accord. Donc je suis assommé au premier coup, hein. On est bien d'accord. Oui. Ah là t'as pris cher. J'ai l'impression que cette salle est maléfique. Oui, j'ai sorti comme une vague de. On va retirer Miro d'ici, hein. Donc je prends Miro et puis je le sors de la salle. D'accord. Alors, t'es rentré dans la salle, d'accord, Antoine? Ouais. Tu te sens pas très bien au moment où t'as frappé en fait Miro, tu t'es pas senti très bien. Et... J'assomme Vilmar. Ça va être plus dur. Oh, attends, lui il est à plus 35, c'est bon. Oh là là, oh là là. Et tellement pas bien du tout que physiquement. Hey, mais j'avais reçu mon jet de volonté. Tu te prends. Tu sais rien à voir. Tu te prends. Attends. Ah oui, si. Ah ouais, 54. Tu pourrais faire des 1 de temps en temps. T'as vu les dés? Là, non, mais là, c'est impressionnant là. C'est quoi ce dé quoi? 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6. Ah, attends, je vais compter le nombre de dés. Essayer voilà. À tout 12. Alors, dés. Tu me fais un jet de volonté, s'il te plaît, des dés 22. La moyenne, c'est 42 sur ton jeu. T'as fait, c'est 44. Alors, hop, volonté. 12D, c'est 42. Ouais, faut que je fasse 14 quand même. Hein. Mmh. Et ouais. Oui! Tu subis que la moitié de ces 54 points de dommage. D'accord, ça fait 27. Ça fait 27. Ouais, ouais, tu les notes parce que c'est pas scriptable. 27. Et t'arrives à sortir Miro de la pièce. D'accord? Ouais, mais je ressors derrière. Ouais. Et tu termines ton tour. Comme ça, Falgor fait peut-être quelque chose. Oui, il passe son tour. Pourquoi sur 12d6, la moyenne, c'est 42? Okay. Je t'expliquerai. Je bien. À ce moment-là... Ah bon, On va s'arrêter là, on va s'arrêter sur un cliffhanger. Basket. Donc, au moment où tu sors Miro, Vilmar, vous voyez, derrière Falgor, un homme... qui vient d'apparaître. Il ressemble à Oswald. Ah bah je l'ai pas mis. Ah si. Je l'ai pas mis. Ah, attendez, je vais chercher. Je sais pas quoi ça ressemble, je l'ai pas mis. Je vais chercher son image parce que je ne l'ai pas. Il est là. Vous voyez donc un homme. Habillé étrangement, avec des affaires qui sont, comment dire, passées de temps. Il a deux espèces de dagues, enfin des épées courtes plutôt, avec lui. Des bandelettes, comme une momie en fait, accrochées à ses poignets. Il a une espèce d'armure en cuir, avec des crânes. Il a les cheveux assez longs, débraillés. Une espèce de comment... De mantelet en cuir lui recouvre l'épaule. Il a un pantalon en tissu bleu et vous voyez qu'il est prêt à fondre sur sa proie, c'est-à-dire Falgor. Ah bah alors ça va. Qu'est-ce que c'est que ce truc?